De ne Voilà, plus parler. ça, en, okay, ça donc ça enregistré. commence. Donc vous voulez commencer par quoi? Donc topo de l'univers, topo de la campagne ou topo du système? Univers. Ouais, univers, ça serait bien. Alors, univers. Est-ce que Flash en est le protecteur? Non. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Donc, Cops, le jeu où vous jouez des flics, des vrais. Ah bon? Ouais. Merde, j'ai signé au mauvais endroit. Voilà. On est détective, hein. Pas... C'est ça. Donc, l'univers, en gros, pour faire simple, on va faire très rapide, c'est... On est en 2030, à Los Angeles, et vous allez incarner une unité d'élite de la police appelée les Cops. Depuis 5 ans, la Californie a fait sécession des États-Unis, qui est devenue l'Union. Donc la Californie est indépendante. Et a perdu une bonne partie donc de ses infrastructures fédérales. Ça veut dire que Donald Trump est passé ça. Pas forcément. Et suite à ça, en fait, il n'y avait plus de service de police plutôt global, style FBI, qui est normalement une police interfédérale. Le COPS a été créé en fait pour pouvoir en fait répondre aux crimes divers. Et variés qui peuvent être interservices parce que le principe quand même de la police américaine c'est à chaque crime son service, les crimes des mœurs, la mafia, les crimes organisés, il y a quoi, il y a tellement de services et sous-services, putain, c'est qu'est-ce qu'on a, back squad, on a la routière, on a les drogues, les douanes. Dans tous les cas, on a créé les COPS pour pouvoir en fait avoir une vision plus d'ensemble et pouvoir en fait mener des enquêtes plus approfondies sur des crimes qui peuvent s'étaler sur plusieurs divisions. Le seul problème, c'est qu'en gros, on leur a donné le droit de pouvoir récupérer les enquêtes des autres, sans forcément leur demander leur avis. Donc autant dire que les COPS sont assez détestés du reste de la police de Los Angeles. Donc en gros c'est du TGCC, Gold State Cops. Oui, mais c'est pas, oui mais non, parce que ça peut plus se passer comme ça. C'est la théorie, donc, ça. C'est la théorie. Dans la pratique, si vous voulez récupérer une enquête de quelqu'un d'autre, vous passez d'abord par votre capitaine, qui va essayer de le négocier. Négo quoi ? Négocier. Ou vous le négocierez vous-même. Parce que bon, le problème de s'attirer les foudres de tous les autres services, ça fait qu'on vous coupe les vivres et les rémunérations, les achats de matériel, enfin tout ce qui est sympa pour pouvoir mener des enquêtes tranquilles. Attends, je suis un pro de la bureaucratie. Hein. Ouais, mais si t'as le chef de la police sur le dos, ça changera pas grand chose. Hein. Non, de toute façon, on s'en fout, c'est pas le capitaine, c'est le MJ, donc c'est bon. Ça change rien. C'est quoi la bureaucratie? Ça se conduit? Donc là-dedans, vous allez jouer donc des flics. Alors, vous n'êtes pas des super flics, vous êtes juste des flics, clairement. Et vous allez essayer de vous démerder pour pouvoir résoudre vos enquêtes. Donc, la Californie a fait sécession, le Québec a fait sécession, Haïti a rejoint la Californie, ainsi qu'une partie du Nevada avec Los Angeles. Pas Los Angeles, avec Las Vegas. Haïti, c'est Hawaï, non, que tu veux dire? J'ai pas entendu. C'est Hawaï que tu veux dire, pas Haïti. Hawaï, excuse-moi, Hawaï. Qu'est-ce que Haïti vient foutre dans... Non, c'est Hawaï, excuse-moi.
Hawaï, bah quoi que, non, Haïti, non, Haïti est dirigé par une secte de, par les témoins de Jéhovah. Oui, les témoins de Jéhovah, Haïti. Oui, oui, oui. Les témoins de Jéhovah vaudou alors. Non, 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 les vaudous se sont fait dégager. Pour exactement, se sont fait exterminer. Mais bon, ouais. c'est un point de détail. Ça me rappelle une histoire. Attends, les témoins de Jéhovah, c'est bien les mecs qui se présentent à la maison de pardon. Oui, oui. Il n'y a plus de maison d'Haïti. Oui, non mais... Dans tous les cas, Haïti, par exemple, a été complètement... C'est les témoins de Jéhovah qui ont pris le contrôle. Et ils ont viré les vaudous qui sont recherchés morts et morts. Ils ont noyauté le truc avec une entreprise de construction, en fait, pour reconstruire des maisons, pour pouvoir les envoyer de Paris. Dans tous les cas, la situation géopolitique est... a changé par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple l'Europe est devenue qu'une vraie fédération qui s'appelle la Fédération Europa. Après, il y a plusieurs trucs. La Corée est devenue qu'une seule Corée, le Sud a annexé le Nord. Enfin, le Nord a déclaré la guerre et s'est fait péter la gueule. Pardon. À peu près ça. Et plein d'autres trucs un peu funky dans ce goût-là. Dans tous les cas, la Californie, là où vous allez vivre vos aventures, est en partie, en fait, vit ce qu'ils appellent une espèce de rêve californien qui est assez bizarre, qui est une équivalence de l'ancien rêve américain, mais en plus barré. C'est-à-dire que toutes les déviances sont presque acceptées. Et c'est le bordel parce que bah vous devez mettre de l'ordre dans tout ça. Pour faire assez simple. Qu'est-ce qui est... Est-ce que vous avez des questions sur le BG? Parce que j'ai fait un tour rapide, peut-être en oubliant quelques trucs, mais rapidement, c'était ça. Alors moi, une question. Vas-y. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la force brute? Oui et non. c'est complètement dépendant de la situation. Majoritairement, la législation reste assez proche de ce que était la législation américaine. C'est-à-dire que si quelqu'un face à toi a une arme à feu, tu peux être amené à sortir la tienne et à tirer pour éviter de te faire abattre. Oui, normal. C'est les mêmes conditions qu'aux États-Unis actuellement. Hein. Oui, oui. Ah, tu veux dire que si tu... Ah non, je suis pas d'accord actuellement parce que c'est pas parce que le mec est noir que tu dois l'abattre. Mais merde. Oh. Il est noir, ça il est au volant, il faut l'abattre. C'est raciste. Dans tous les cas, vu que vous êtes les cops sont censés représenter la police, vous êtes censés avoir une conduite exemplaire. Les conditions strictes de la légitime défense. Pas aujourd'hui, mais oui, bientôt. Mais majoritairement, la légitime défense, c'est si tu te sens menacé. Hein. Alors malheureusement, c'est libre d'interprétation et c'est libre de te faire défoncer la gueule par ton capitaine si tu l'interprètes un peu trop. Mais c'est toi le capitaine. Non, le capitaine, ça sera Stripnik, et c'est lui qui vous donne la mission. Moi, je vais faire tous les PNJ, hein, Cib. Donc, je ferai tous les PNJ, donc je ferai le capitaine, le chef de la police, mais aussi vos indiques, vos relations, et tout ça. Ta soeur, ta copine, ta femme... Oui, je vais faire ta prostituée. C'est à peu près ça. J'ai une autre question, Chrome, par rapport à l'Union, par rapport au reste des États-Unis. Ouais. C'est comment on s'est récupéré tous les dingos des États-Unis qui sont venus chez nous en grande partie, ouais. En grande partie, oui. Majoritairement, en fait, tous les courants extrémistes non puritains ont fait une jolie migration vers la Californie, ce pays de la liberté. C'est Eldorado. Voilà. Et tous les puritains sont partis en Haïti, ils sont vraiment cons. Non, pas les puritains, les témoins de Jéhovah. C'est qui a dit Eldorado? C'est moi. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que c'est Hell Dorado. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, avec un H. Oui, avec un. Merci, Tlon. Dans tous les cas, voilà où on en est aujourd'hui. Ça fait quelques années que que ça a été cédé, donc on a récupéré Las Vegas, une grande partie du DR du Morave, et majoritairement, actuellement, la frontière dans le désert est flottante, c'est-à-dire que c'est l'objet de tractations. Ouais, enfin bon, le Morave, à part des serpents et des cadavres, il n'y a rien, quoi. Bah, c'est ça. Mais bon... ça peut faire du pétrole dans quelques années, hein. Dans tous les cas...
du côté de Las Vegas, je crois, il y a que, de mémoire, il y a que la ville de Reno qui est pas d'accord avec le fait de rejoindre la Californie. Ouais. Une histoire de mafia. Oh. Dans tous les cas, pour le tour, un tour global du BG général, c'est à peu près tout. Après, de toute façon, je vous ferai des descriptifs de chaque quartier quand vous rentrez dans les quartiers. Je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on va avancer. Le but étant en fait de vous immerger de plus en plus et que vous connaissiez la géographie de la ville à peu près en jouant en fait. Une dernière précision, on est bien en Bisbee, toujours avec les États-Unis pour l'instant. Complètement. Ouais, bien que vous n'êtes pas en guerre, mais il y a énormément de points de friction. Dont une partie des points de friction est le fait de l'accès à l'océan Pacifique. Ok. Oui, forcément, oui. Oui, bah oui. Parce que la frontière haute, c'est quand même le Canada. C'est-à-dire que non, de base, il y a une route en fait qui est autorisée pour les États-Unis à traverser pour pouvoir en fait atteindre l'océan Pacifique, qui s'appelle alors je crois que c'est la ligne blanche, mais je suis pas sûr. Il faudra que je revérifie. Mais en gros, c'est le point de friction et en même temps c'est aussi un point de tous les trafics. Hein. Autant dire que le dessert du Morave pour les ouais. Les lignes blanches, je la verrais plutôt en Colombie. C'est l'enfer sur terre. Enfin, le Seattle, enfin l'Oregon et l'État de Washington sont toujours dans l'Union, non? Attends, mais c'est de l'autre côté, Washington, non? L'État de Washington. Non, l'État de Washington, non, pas Washington D.C. L'État de Washington, oh, ouais. C'est les deux États. Non, parce que Oregon... je prends une pancarte des Amériques, parce que non, c'est Seattle, je sais qu'il y a une frontière avec le... C'est Seattle. L'État de Washington, Seattle, c'est Seattle. Oui, oui. Oui, Seattle pour Washington, et c'est... Hop, je mets la carte... Normalement, ouais, normalement, Oregon on City. S'arrête à Creston City, niveau de la frontière. On est à la frontière avec l'Oregon, mais a priori, de ce que j'ai compris, il y a aussi une frontière avec le Canada, alors je sais pas où, mais c'est ce que je me suis toujours demandé depuis quand j'ai lu le BG, mais bon. Normalement, oui, la frontière s'arrête à l'Oregon, mais je crois que c'est par rapport à d'autres frontières, je sais pas. Bon, il faut que je regarde exactement, je comprends pas, ouais. J'avoue que j'ai pas pigé le truc. Parce que, en fait, dans tous les cas, pourquoi la Californie n'est pas le seul point. Oui, normalement, oui, t'as l'Oregon et l'État de Washington, Seattle, ouais. Portland et tout. Mm-hmm. On est d'accord. Dans tous les cas, où c'est que j'en étais ? Oui, Los Angeles. Dans tous les cas, majorité de la campagne et de ce qu'on va jouer va se dérouler à Los Angeles et proche banlieue. Ça va bouger, non, hein. Mais. Hein ? Pas passer le périph. Ouais. Je suis désolé, tu vas devoir passer au-delà des frontières de Los Angeles quand même. Il y aura des trips à Las Vegas, des trips à San Diego, à Tijuana, un peu partout. Et même peut-être en territoire étranger. Bah, Tijuana déjà. Dans tous les cas. De ce côté-là, voilà. Los Angeles est extrêmement pollué. Je vous ai envoyé normalement une carte avec les deux pollutions principales qui sont la pollution au gob et la white pest de mémoire. La white pest pour la white pest par exemple bouffe les bâtiments. Alors pour ceux à part Wedge qui a pas encore, je sais pas encore où t'habites, les autres normalement vous êtes dans des quartiers qui sont plutôt préservés. Vous avez pris. Des quartiers plutôt préservés de la pollution. Mais ça reste que suivant le temps qu'il fait, les habitants de Los Angeles sortent avec des combinaisons NBC des fois. Hein. Ah, carrément. Ah ouais. Faut vraiment. C'est vraiment particulier pour le coup. De toute façon, au fur et à mesure, je donnerai la pollution, les consignes et tout. Mais la pollution peut être extrêmement dangereuse. Et il y a certains quartiers où, de toute façon, t'es obligé au minimum de porter un masque. Parce que tu peux pas te permettre en fait de pas le faire. Notre masque, il filtre aussi les saletés ou pas? Alors, de toute façon, je pars du principe que vous avez tout ce qu'il faut pour vous déplacer dans n'importe quel quartier. Hein. Ok.
Pas forcément de bonne qualité, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Le masque cops, le Japon, il le fait. Hein? Le masque cops, il le fait de base. Le masque blanc. Masque de cops, c'est une option. C'est une option à acheter. D'accord. De base, c'est juste un masque anti-balles blanc. Tu peux racheter, tu as des options pour améliorer la vision, tu peux rajouter des cartouches d'oxygène, des filtres, mais c'est des options. Okay. Voilà. Pour le BG, j'ai pas grand chose pour l'instant à rajouter. De toute façon, ça sera au fur et à mesure que vous allez ingurgiter du BG et tout. On commence en 2030, normalement mai 2030, et nous sommes à, c'est quoi, à 8-9 mois, en janvier 2031, il y aura les élections municipales. Ce qui fait que ça va changer au fur et à mesure l'image de la ville, avec des tracts, des discours, etc. Super. Voilà. Alors, point de règle ou... Oh oui, point de règle, avant qu'il y ait quelque chose. Allez, point de règle. Donc, COPS. Donc, majoritairement, il y a, on va dire, pour simplifier, très simplifier, il y a 4 types de jets. T'as les jets de compétences caractéristiques, tous les jets qui sont liés au combat, les jets qui sont liés, en fait, aux poursuites. Et le dernier, c'était quoi déjà ? Les interrogatoires. Je crois, non, il y a peut-être que ça en fait. Ah, pas les interrogatoires. On a perdu Kevin. Ça, c'est Kevin qui est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, t'as les jets de compétences et les jets d'interrogatoires, mais c'est à peu près pareil que les compétences, c'est juste qu'il y a des modificateurs. Mais voilà, en gros. User joined your channel. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, je suis revenu. Allez. Ouais, ça y est, revenu, c'est tout. Ok. Donc. Jet de compétences et de caractéristiques. Dans COPS, quand je vais vous demander un jet, je vais associer une compétence avec une caractéristique. Tout le temps. Mmh. Et avec un numéro. Les jets se présentent sous cette forme. Je vous l'écris dans le chat. Donc, par exemple, un jet de conduite, je prends l'exemple du bouquin. Donc, un COPS conduit une voiture de patrouille. Il tente d'éviter un chauffard qui va lui faire quitter la route. Le meneur donc estime que la compétence sera conduite. Et que la caractéristique sera le réflexe, normal. Et que la difficulté sera de 2. La difficulté va de 1 à 5, peut aller au-delà de 5, mais majoritairement c'est de 1 à 5. Donc, ça donne, moi normalement je vais vous demander un conduite, réflexe, slash 2, à 2, qui sera la difficulté. Et 2, ça change quoi ? J'explique. Donc ça veut dire en fait que, vous regardez, la caractéristique ici, c'est réflexe. Donc, c'est le nombre de dés que la personne va jeter. La conduite, c'est le seuil. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la feuille de hobby, conduite, t'es à 7. Donc, ça veut dire que sur les... t'es à combien en réflexe ? Réflexe, il est à 2. Donc, ça veut dire qu'il doit jeter 2 dés. Et il doit faire sur ces 2 dés supérieur à... sa conduite, donc à 7. Je t'en prie, Obi. Ouais. Donc je dois jeter un dé et je dois faire supérieur à 7. Supérieur à 7. Voilà. 2 dés à 7. Comment tu montes de supérieur un succès. À 7 c'est, bah, il va nous donner la comment ça bah, s'appelle la formule, elle est devant vous. Hein. Voilà. Elle est devant vous. C'est, tu mets juste un point d'exclamation par rapport au truc. Mais il faudra que tu le mettes dans tes préférences, Chrome, pour que tout le monde l'ait en raccourci, et du coup, on n'aura plus qu'à écrire 2 COPS 7, quoi. Je sais pas où ça reste préférences, écrit. En fait. Bah, fichier préférences, genre, quoi. Ah, ah d'accord, ah oui, tu as chemin, oui, système de dés, ok. Voilà. Mais attends, juste comment tu montes supérieur à 7. Bon, là, je vais faire 3D10, je fais 3D10, et après, je mets quoi ? Non, tu mets un point d'exclamation et tu mets 3D10. Ouais, et le 7, comment je l'affiche ? C'est ce que a mis en fait Obi là, c'est la commande qu'il a mis en fait sur son truc. Ouais. C'est-à-dire en fait, je vais te faire un copier-coller la commande. C'est ça la commande. Il y a le crochet à la fin. Il manque le crochet. Et donc normalement, si tu fais ça avec 3D10, toujours supérieur à 7, ça devrait donner un truc comme ça.
Ouais. Il manque un crochet à la fin. Bah non, tu l'as mis le crochet, toi. Attends, c'est-à-dire que je fais... Non, mais il y a deux je crochets, en fait. Je fais pas l'exclamation 3D10. E... C'est pourquoi il y a le E10C. Pour relancer les 10. Alors, je vous l'explique. Arrêtez de lancer des dés, là. Ça sert à rien. Le premier chiffre, c'est le nombre de dés que vous lancez. Après, le D10, c'est le type de dés que vous lancez. Le E10, c'est j'explose les 10, donc les 10 sont relancés. Ouais. Et ensuite, le C, c'est pour compter. Et vous comptez tous les dés qui sont supérieurs ou égaux à 7. Voilà. Quand, et vous en avez gros, juste les variables à changer sont le nombre de dés et le 7, quoi. Et le 7 qui peut être c'est le seuil de difficulté. Et donc, du coup, si Chrome avait pris le temps de le faire, on aurait pu avoir une formule où vous auriez écrit 2 cops et la difficulté. Et donc, du coup, ça aurait fait tout automatiquement. Je suis en train d'écrire en même temps. Ah merde, je vais pas d'exclamation. Schéma. Oui. Y a pas besoin de crochet, hein. Y a qu'un seul crochet à mettre, hein. La formule que vous mettez, c'est ça, hein. C'est. Par contre... C'est ça. Ah, merde. Ah. Obi, qu'est-ce que je dois mettre dans la formule Bah, c'est compliqué des... parce qu'il faut... Attends, ouais, il y a deux variables, c'est pour ça. Ouais, il faut... Déjà, ça va être une variable avec... avec un pattern, donc il faut que tu coches regular expression. Je vais te l'écrire parce que ça va pas être facile. Ouais, facile, je pense, ouais. C'est pas très compliqué, mais je vais juste le faire parce dans que... tous les cas, après vous comptez en fait le nombre de succès que vous avez fait, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de votre valeur, de votre compétence, et il faut faire supérieur ou égal à la difficulté. Donc là, dans le cas présent, c'était 2, donc il fallait faire au minimum 2 réussites. Si tu fais plus, tu les comptes en marge de réussite, c'est-à-dire t'as réussi, mais en mieux. Dans le cas, par exemple, j'évite le mec qui veut m'écraser, c'est j'arrive à contrôler ma voiture et en même temps je fais une embardée qui va me faire avancer. Je sais pas, par exemple, si c'était une poursuite un peu plus rapidement. Ça va complètement dépendre de la situation, mais par exemple, dans le cas d'une scène de crime, ça va vous donner plus d'indices si vous faites plus de réussite que ce qui est demandé à la difficulté. Ok. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que vous avez compris à peu près pour ça déjà? Yep. C'est vraiment la base pour le coup. Ça, c'est la base de tous les jets quasiment. Je te mets la formule à mettre dans tes préférences dans le chat de DS. Ok. Voilà, du coup, c'est les deux points qui séparent les colonnes. Et la troisième colonne, il faut que tu coches. Et après, tu mets ton alias tout en haut de ta liste. Donc si je comprends bien, tu nous demandes un jet de conduite avec une difficulté 2, ce qui fait qu'on doit avoir au minimum 2 succès pour réussir. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Résumé, rapide. Est-ce que tu peux répéter Obi, s'il te plaît? Parce que j'ai pas compris. Dans voiture 1, tu as acheté 1000 alias ouais. À écrire. Donc ça sera le premier chiffre, le nombre de déculances, un grand C majuscule pour activer ton alias. Et le deuxième chiffre sera la difficulté. Ah oui, ça c'est ce que je mets dans le schéma, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Ça c'est ce que tu mets dans le schéma. Ça va ressembler normalement à ton dernier alias qui doit être le WOD. Ouais, c'est à peu près exactement la même chose. Après, dans la value, alors je sais pas comment je l'ai traduit en français, parce que moi je le fais en anglais. C'est marqué en français. Valeur, voilà. Donc tu mets le deuxième truc, donc le slash 1 des 10, etc. Ouais. Et après, tu coches Regular Expression dans la troisième colonne. Fait. Et après, tu fais monter là pour le mettre tout en haut. Ah. Ok. De ta liste. Okay. T'as un bouton pour le mettre tout en haut. C'est bon, c'est en haut. Voilà. Et après, tu fais OK. Et en théorie, normalement, nous, si ça a bien marché. Merde. Avec un C majuscule. Et là, ça a marché. Okay. Moi, j'ai réussi. Donc, point d'exclamation. Le lancé, C et la difficulté. Et la difficulté, non, pas la difficulté, hein. La carac. La carac, c'est la compétence que tu mets. C'est le chiffre qui détermine le nombre de. Enfin, la difficulté du succès, quoi. Alors, redis-moi ça, parce que là, il y a un truc. Je te le mets. Je te l'écris en toutes lettres. Caractéristique.
Ouais. Ce qui est relativement pratique. C'est... J'ai mis un C majuscule pour pas qu'on le confonde avec le C minuscule de l'opérateur compté. C et... Dans l'alias. Compétence. Voilà, ah merde. En gros, voilà, c'est ça en fait, exactement. Ah, c'est... Oui, c'est ça, sauf qu'il faut mettre un point d'exclamation devant, Wedge. Oui, voilà, mais... Ok, c'est juste... mais c'est pour montrer. Oui. Ok, donc grosso modo, là, ça va... Si tu fais 3 C7, en gros, tu lances 3 dés et c'est des succès à partir de 7 et au-dessus. Okay. Ah, si tu fais 3 C6, c'est des succès à partir... Tu lances 3 dés, mais c'est des succès au-dessus de... C'est bizarre, c'est passé, quoi. Mais pour Tlon et Wedge, c'est pas passé. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a pas un refresh à faire ou un machin à reprendre ça, sinon... On le... En théorie, non, mais après... Bon, quoi, essaie de faire point d'exclamation, un nombre, C majuscule... Ah, allez dans vos préférences. Allez dans vos préférences, on sait jamais. Et juste ouais. Afficher vos préférences et fermez-les. Et relancez. C'est où les préférences? Fichier préférences. Moi, ma préférence, c'est 1/1d10ec machin. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, c'est juste pour... ouvrir, c'est que... Je pense que c'était déjà ouvert. Et là, je suis censé faire quoi? Ah. Tapez dans le chat, ça. Je le mets en bas, là, dans TS. C'est avec un C majuscule. Ouais, ouais, c'est majuscule. Ça. Et voir si ça marche, en fait. Parce que moi, ça marche. Obi, ça marche. Mais pas les autres. Ouais. Attends, j'ai pas compris, faut aller. Vous avez obtenu à votre lancer de dés 2C6 rien. Ouais, bizarre. Ouais. Donc, mais préférence, l'alias en fait. Vous pouvez du machin et c'est bon. Hein. Oui, après, sinon, vous pouvez prendre l'autre formule, la formule complète, mais. Bah, il faudra voir en fait pour non, ça, mais bon. Je pense que de toute façon c'est que ça s'est pas mis à jour, mais si vous êtes une rôle team que vous reconnectez, ça marchera. Et au pire, la séance prochaine, voilà, c'est pas grave. Hein. En même temps, il peut faire déco et reco, hein, vite fait. Hein. Attends. Ah oui, on peut déco reco vite fait. Moi, je trouve ça assez simple de mettre juste le nombre de dectas et mettre à jour la réussite, non? Je vais juste relancer le truc. Non, mais ça marche pas. Oui, non, mais. On reverra après, c'est pas le plus important. Hop. Non, mais tu verras qu'on la recopie dans nos préférences. De toute façon, l'autre truc, la formule complète, c'est ça. Hop, carac. Ah merde. Carac. Et ici. Non, mais c'est dommage. Parce que moi, ça marche bien. Avec mes joueurs, j'ai aucun problème. Mais... Et moi, j'ai réussi à l'avoir. En gros, c'est ça la formule, hein, sinon. Non, mais le problème, c'est le jeu, quoi. C'est sûr que s'il avait mis avant. Ouais, bah j'aurais pas pu le faire tout seul, hein. Franchement. Ouais. Bon, ça va. Tu aurais pris peut-être une heure ou deux pour la faire, mais ça serait. Ouais. Ça serait j'aurais lâché avant. Bon, c'est pas si compliqué. Dans tous les cas, on continue sur les explications de règles. Est-ce que vous avez compris au moins comment ça marchait pour le lancer de base? Ouais, c'est tous les 28 jours les règles, non? Et voilà. J'ai pas entendu ce que Wedge a dit, mais... Compétences, tu donnes une difficulté qui peut varier entre 2 et 5. Et ensuite, on doit dépasser notre niveau de compétence. Et les 10, c'est tout ça. Caractère de compétence, en fait. Ouais, caractère de compétence. Ouais. Et après, oui, bon... Si jamais t'as une difficulté de 5, à part si t'es quasiment obligé de faire un critique. Bah ça dépend en fait combien t'as de... combien à carac. Il y a certains qui ont 5 à certaines carac. Hein. Ça c'était à la création du perso. Hein. D'accord. Après, une difficulté de 5, faut y aller. Hein. Faut vraiment faire un truc assez... Si je veux anéantir mes ennemis en faisant exploser un volcan à côté d'eux. Hein. Alors c'est pas possible. Pour le coup, il n'y a pas de jet, c'est pas possible. t'es pas mago, t'es flic. ah oui, il n'y a pas de magie. Il faut le note passe. Alors, du moins, il n'y a pas de magie à votre hospité. Mais le jeu vient de se trahir, il y a de la magie. Non, il y a des trucs bizarres, c'est pas pareil.
Fallait arrêter, j'ai été moins de jeu. Hop. Merde, c'est quoi ça? Une toute petite seconde. Ouais, donc niveau après, on va parler du combat. La partie un peu chiante du système, d'ailleurs. Donc, il va... Oh, non, une fois que, une fois que tu prends le coup de main, ça va, mais il faut, faut vraiment prendre le coup de main, c'est pas forcément super évident. Le coup de main dans le poing dans la gueule, ou... On va pas relever. Oui, bonjour, on m'a appelé. Coup de poing dans la gueule. Qui alors, on a arme de poing, est-ce que ça comprend les coups de main? Bah, si c'est dans la gueule, oui. Alors... Et est-ce que le poing américain est une arme de poing? Non, le point j'ai pas envie d'y répondre à cette question stupide. Elle est pas stupide, elle est logique. Oui, mais non, c'est le point californien. Le point américain, il est plus... il est plus cachère. C'est le point de l'Union, c'est ça? Ouais, c'est le point de l'Union. Alors, je pense que... Je sais pourquoi ça marche peut-être pas, c'est parce que c'est moi qui suis serveur, en fait. Ah, c'est peut-être à toi de le mettre, en fait. Ah, peut-être, ouais. Juste enfin non, c'est le MJ qui propage. Les États-Unis ou ce sont des États des Unis? C'est l'Union. Ça s'appelle l'Union. Ça s'appelle l'Union, simplement. Okay. Hop. Ouh, t'as envoyé quelque chose, toi. Ouh, ouais. Alors, question de background, est-ce que le mot union est banni de notre vocabulaire? Absolument. C'est l'union de deux êtres, par exemple. Non, le mot union n'est pas banni de votre vocabulaire. Donc je vous ai envoyé normalement une image, c'est le tableau contre, d'initiative. Hein. Je vais, c'est pour, oui. Pour expliquer exactement comment ça marche. Oui, ouais, je l'ai, mais le truc c'est qu'il est sur le... Il faut que je tourne la tête en fait. Oui, non mais... Dans tous les cas, il est vous l'avez aussi en PDF, je vous l'ai fourni normalement à tous. Du moins ceux qui ont pu le télécharger. J'ai téléchargé. Alors, sur la Dropbox. Et sinon, il est dans le channel Cops dans le sur TS, si besoin. En partie, je te conseille de l'utiliser comme plan, comme ça on pourra mettre des jetons pour ouais, définir ouais. Où on est. C'est vrai. Moi, attends. Hop, je vais tout de suite essayer de le faire. Ah ouais, tu l'as mis longtemps, dis donc. Ah, ouf. Parce qu'elle est lourde, hein, l'image. Bon, ça va, c'est affiché relativement rapidement, pourtant j'ai une réaction de merde. Couleur de fond, il y a moyen de mettre une image en fond à la place de la couleur? Bah, oui. tu fais fichier, ouvrir, d'accord. Comme tu peux MJ, ou fichier ouvrir map, et après tu choisis une image. Donc, ah d'accord, je savais pas que ça. Il te la met automatiquement en fait. Non, je sais pas, mais ok. Bah, hop, je vais le faire, comme ça. Init tout le droit, hop. Voilà, on va fermer l'autre. Par contre, c'est beaucoup plus grand. Hein. Ouais. Ça charge. Voilà. C'est la même chose en plus grand et où tu peux mettre des jetons dessus. Voilà. Bah, comme ça, on pourra dire dans quelle catégorie on est. Ah ouais. Ah ouais. Eh oui, eh oui, monsieur, ça, j'ai réfléchi ça, un petit peu. C'est l'upgrade Las Vegas, quoi. C'est le truc où tu peux foutre des jetons dessus. Alors moi je mets sur un ultra violent rapide. Ah tu peux, par contre tu te fais flinguer vite fait. Hein. Donc, alors, je vous explique. Donc le combat, ça se déroule en 4 phases. La première phase, en fait, c'est vous choisissez votre attitude. Donc vous voyez dans le tableau, c'est ce qui est en bas, c'est planqué, prudent, normal, agressif, ultra violent. Planqué, c'est clairement je me mets derrière des obstacles. Prudent, c'est j'essaie de je me découvre un peu pour pouvoir tirer. Normal, c'est je suis c'est quoi, c'est le personnage progresse comme tout bon flic apprend à le faire dans ses premiers jours de formation à l'académie. Il n'est pas particulièrement protégé, mais garde une attitude circonspecte qui lui permet de réagir aussi bien de riposter à une attaque pour tenter de l'esquiver. Agressif, c'est que vous prenez beaucoup moins de risques, beaucoup plus de risques. Et donc vous êtes à découvert. Et ultra violent, c'est vous êtes debout au milieu du désert en train de tirer sur quelqu'un. Donc vous oubliez toute idée de protection. Quoi. Ultra violent, c'est le shérif au milieu de la rue. C'est ça.
Donc alors, ça, c'est, ça vous... c'est à ne faire que si t'as une voilà. Gatling avec des balles en uranium à prouver. Donc au départ, vous choisissez donc sur quel armes. En fait, sur quoi vous allez être. Donc, non, je vais être mon méchant sur normal. Après, c'est on choisit son initiative. Alors c'est suivant déjà les réflexes que vous avez. C'est-à-dire que vous voyez en haut, il y a marqué le réflexe minimum que vous devez avoir pour pouvoir prendre telle ou telle initiative. Donc, alors l'initiative, c'est simple, ça va donner en fait dans quel ordre les joueurs jouent en fait. Plus vous allez avoir une initiative vers rapide, plus vous allez jouer en premier. Mais au détriment en fait des dés que vous avez lancés en fait, et des dés de défense. C'est-à-dire vous allez pas prendre le temps de tirer, vous allez pas prendre le temps de regarder autour de vous, vous allez tirer comme un ouf en mode rapide sans faire gaffe à ce qui se passe. En mode circonspect, clairement, vous tirez en dernier parce que vous regardez toute la scène, vous essayez de mieux appréhender ce qui se passe au maximum. C'est clairement pour déterminer qui dans quel ordre ça va se passer. Comme vous voyez, en fait, suivant l'attitude que vous posez, entre planqué et circonspect, vous aurez des dés en plus ou en moins sur les actions offense physique et défensive. Alors, ce qui est marqué plus de 2 au niveau de diff, c'est difficulté. Hein. Juste pour tout le monde. C'est le niveau de difficulté de l'adversaire. Comment tu fais pour poser ton jeton hein? Alors, pour poser ton jeton, tu vas dans liste des joueurs. Tu cliques sur ton nom et t'as un bouton en dessous, c'est marqué ajouter PJ. Attends, liste des joueurs, ajouter PJ. Voilà, et là tu mets le nom de ton personnage. Et normalement, une fois qu'il est créé, en fait, sur ton nom, tu as une petite flèche où tu peux en fait cocher ton personnage. Et il apparaît. Voilà. Voilà. Oh, voilà, Rick. Et après, sur l'outil à gauche. T'as une flèche qui permet de déplacer. Alors la flèche, c'est une flèche qui va dans 4 directions. Voilà. Marqué déplacer, orienter, voilà. Personnage. Tu cliques dessus et après tu peux déplacer ton petit bonhomme. D'accord. Voilà. Bingo. L'intérêt là, bon, le tableau il est grand, j'en ferai un plus petit pour que ça s'intègre plus facilement. L'intérêt c'est de pouvoir en fait à chaque tour de jeu que vous placez rapidement en fait votre initiative et votre attitude. Ce sera plus rapide qu'à chaque fois l'annoncer, vous vous déplacez à chaque tour de jeu, en fait. Comme ça... Et pour moi, ce sera aussi plus rapide de voir qui joue en premier, parce que je le verrai directement sur le tableau. Attends, par contre, okay. Je ne comprends pas. Le pas de modification aux actions physiques, ça veut dire quoi? Alors, le quoi? Parce que là, autant... Alors, moins 4D aux actions... Enfin, le plus de dés au niveau de difficulté d'adversaire, ok, il faut qu'il fasse plus de dés pour te toucher. Plus 1D aux actions défensives, ça veut dire que tu as plus de facilité pour les actions défensives. Mais les actions physiques, ça correspond à quoi? J'y viens. Je vais expliquer une seconde. Je vais par là. Juste une chose. Alors bon, à savoir pour l'initiative, le premier tour de combat, l'initiative est déterminée. Si vous n'avez pas sorti votre arme, elle sera déterminée par rapport à où vous avez mis votre arme. Parce que vous sortez votre arme en même temps. Donc, à savoir que si c'est par exemple dans un holster, par exemple à la ceinture du dos, ça sera forcément en moins 2. Alors que si c'est à la bandoulière à l'épaule, ça sera plus 2 par exemple. Holster sous bras, ça sera moins 2. J'ai pas compris pour déplacer le perso, tu passes à 1. Et donc, t'as une initiative de merde, c'est ça? C'est-à-dire que si tu passes à 1, c'est pas une initiative de merde, c'est juste que tu joueras après les autres. Mmh. Après ceux qui sont au-dessus, quoi. On en parle du début du combat là. Ouais. Et là c'est le début du combat pour le coup. C'est l'action de dégainer quoi. Tire en premier. Donc en fait faut toujours se balader avec son flag à la main. Ou se battre en Début de combat. Idéalement, non. En début de combat, idéalement si t'as ton flingue à la main, t'as plus de chances de réagir que le mec qui a son flingue dans son holster. C'est ce que ça veut dire. Donc faut pas que tu te fasses surprendre. Et donc, cette initiative-là, c'est quel que soit vos réflexes, hein, de toute façon. Donc, donc, l'initiative est attribuée, l'attitude est attribuée. Donc, on arrive au plus marrant, à savoir les jets. Donc, comment ça marche? Hop, que je mette la bonne page. Initiative, tatatata. Donc... Impact dommage. Donc c'est par rapport à vos armes. Sur vos armes, donc je vais. Hop. Et vos compétences.
Il y a les deux à voir. Sur vos armes, vous... Alors, c'est bizarre, il manque un... Non, il manque un morceau avant ça. Parce que normalement, les dégâts, c'est après. Pourquoi il me met les dégâts avant? J'ai d'encaissement. Ouais, non, mais je m'en fous du jet d'encaissement. Moi, c'est... Pourquoi il me fait ça, le jeu? Pourquoi il me troll? Donc, si je comprends bien, pour revenir à la compétence, plus ta compétence est basse, plus t'as des chances de réussir. Ouais, oui. Complètement. Donc il faut baisser tes compétences pour devenir super cool. Mmh. Yeah, monsieur Tlon gagne un niveau. Oui, mais je récapé pète. Ah oui, pourquoi faut passer par l'arme à ce moment-là? Parce que là, on va vous donner encore des dés en plus ou des dés en moins, suivant sa précision. Alors, précision, c'est PR. Tout à fait. Ok. Ouais, je me fais troller par terre. Voilà, si la précision est de 0, c'est que t'as pas de dés en plus, en fait. En fait, l'initiative, votre attitude, donc l'attitude, c'est donc planqué, circonspect, la précision de l'arme et le mais fait d'être à bout portant ou non... Circonspect, c'est pas l'attitude. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse finir, s'il. Donc, je redis. L'initiative, l'attitude, la précision de l'arme, et si vous êtes à bout portant, ça va vous donner plus ou moins de dés. En fait, ça va vous donner un certain nombre de dés. Alors, sachant que si vous avez pas de dés, l'action est ratée, hein, déjà, de base. C'est, vous tirez dans le vide, hein, c'est foutu, c'est pas la peine. Donc, à ça, une fois qu'on... Là, on a un certain nombre de dés. De ce nombre de dés, on doit trouver le nombre de réussites qui est nécessaire pour toucher la cible. Le nombre de réussites nécessaire, c'est... Si c'est moins de 10 mètres, c'est 1. Si c'est jusqu'à la portée de l'arme, c'est 2. Si c'est le double de la jusqu'au double de la portée de l'arme, c'est 3. Et après, il y a un modificateur suivant l'attitude de la cible. À savoir, en fait, l'action défensive, en fait. Pour le coup. C'est moins 2 de difficulté... non, c'est attends. Moins 2 à la difficulté de l'adversaire, plus 2 à la difficulté de l'adversaire. Ah, ouais, il faut que j'en vérifie exactement. Putain, c'est... Un bordel ce truc. Donc l'exemple qui est marqué, je prends l'exemple, ça va peut-être plus parlant. Donc un copse ouvre le feu sur un truand agressif. Ses caractéristiques sont 3 en réflexe, 3 en coordination et 6 plus en arme de poing. Il choisit d'être en mode agressif et avec une initiative de 0. Son arme a une précision de 1. Le truand, lui, choisit d'être agressif et choisit d'être à plus 1 en initiative. Il se trouve à 15 mètres. Donc... Attends, tu peux redire? Le copse, c'est comment? Va mourir. Non, je vais mourir. Vrai. Alors, l'attitude du copse est... Je vais faire... Est-ce que quelqu'un peut faire le copse Alors, il est agressif avec une initiative de 0. Donc, initiative alerte. De 0, ça veut dire en alerte. Oui. Agressif, alerte. Non, c'est pas par là. C'est un plus bas. Voilà. Je vais mettre les autres là. Je vais tous vous mettre là. L'ennemi, lui, il choisit d'être là. Ah, j'ai pas réussi, quelqu'un est en train de le bouger, j'arrive pas à l'attraper. Non, c'est pas là, c'est... Si, c'est... c'est... Le jeu a du mal avec l'ennemi. Hein. Moi, déjà, l'ennemi qui arrive pas à se poser dans le tableau, pour moi, il a perdu son action. Eh, oh, ça va, hein. On est là pour tester le système, hein, monsieur. Ouais. Moi j'ai pas compris comment bouger le pion. Fallait tous mourir. Donc le truand est agressif et dispose d'une initiative de plus 1. Hein. Donc plus 1 c'est posé. Tac. Il se trouve à 15 mètres. Donc le cop s'agit en phase 0. Donc normalement on fait la phase moins 2, moins 1. Puis la phase 0 pour dans les actions. Donc là, c'est normalement c'est au cops de jouer. Donc pour tirer, il va lancer en parce tout qu'il a 5 0, dés. Et l'autre il a plus 1. En tout, il lance 5 dés. 3 pour la coordination, qui est sa statistique pour tirer. Mmh. 0 pour l'initiative, normalement. Ouais. Et 1 parce que agressif. Ici, c'est résumé par le plus 1 action physique. C'est, il résume les deux. Hein, donc. D'accord, donc ça fait 4 dés, c'est ça? C'est ça, ça fait en gros son initiative plus les actions physiques qui sont marquées. Ça fait... Et après, la précision de son arme. Oui, il a 1 en précision de son arme, donc ça fait 5 dés. Ça fait 5 dés, il a une réussite de combien? 6. Ok. Donc et le mec se trouve à 15 mètres, à savoir à portée de son arme.
C'est pour ça. Donc, il est à portée de son arme, donc normalement, c'est une difficulté de 3. Sauf que le mec, en fait, est à un niveau de difficulté moins 1, vu sa position dans le tableau. Donc, ça fait une difficulté de 2. Non, c'est une difficulté de 2, moins 1. Donc, ça fait... J'ai vraiment du mal. Comme il est dans la portée de l'arme, la difficulté est de 2, de base. Mais comme le mec s'est mis en agressif, il a moins 1. Donc, en gros, il a une difficulté de 1. Donc, il faut faire juste une réussite. J'en ai fait 5. En faisant l'ensemble 5 des 10, en ouais. mettant supérieur à 6. Oui, et t'as explosé. Et j'ai explosé plusieurs fois. Donc là, le mec, il est dans la merde. Donc là, en fait, de base, il se prend donc 5 réussites. C'est-à-dire, en gros, alors, comment ça marche après une fois? Une réussite... Bah, il y a un seuil de réussite de 4, du coup. Ouais. Oui, parce que le premier ne compte pas, c'est celui d'après. Oui. Donc, localisation. Donc, de base, ça veut dire déjà que c'est touché. Donc, à partir de là, en fait, normalement, tu localises le dégât. Tu lances un des 10. Je te laisse lancer un des 10. Normal. Pas de formule à la con. Point d'exclamation, un des 10. Yo, quoi. Ah non, pardon, faut pas mettre non, le téléphone. Non, 1 des 10, pas 100 des... pas 11 des 10. J'ai essayé de faire deux frappes, c'est bon. 7. Donc, si c'est de 1 à 2, c'est les jambes. Si c'est de 3 à 4, c'est l'abdomen. Si c'est de 5 à 7, c'est le torse. Si c'est de 9 à de 8 à 9, c'est le bras. Et si c'est 10, c'est la tête. Donc là, tu as touché au torse. Si tu as touché au torse, c'est considéré comme un modificateur de 2. Enfin, si tu fais 10, ça explose, en fait. Mais non, c'est la tête qui explose. Oui, mais Donc, à ça, il y a deux choses à faire. La première, en fait, normalement, c'est que tu calcules la force d'arrêt qui est liée à ton arme. Parce qu'en gros, la personne d'abord va encaisser le choc du coup. Et après, on calcule les dégâts, les points de vie en moins. Sachant qu'en fait, la force d'arrêt peut faire que la personne est sonnée, en fait, en recevant une balle. Elle va peut-être pas mourir, par exemple, mais elle va être sonnée parce qu'elle est pas capable d'encaisser. Elle va être couchée au sol, et tout ça. Donc la force d'arrêt, c'est tout simplement 6 plus de difficulté en carrure ou en sang-froid, suivant la personne. Et la difficulté, c'est la force d'arrêt plus le modificateur de localisation. Donc ici, 2. Donc par exemple, là, notre grand Gers, on va dire qu'il a par exemple 2 en carrure et 2 en sang-froid, donc il va lancer 2 dés sur 6 plus. Si tu peux me le faire, s'il te plaît, Sib, 2D sur 6 plus ou quelqu'un. Attends, 2D6. Non. Ah, 2D10, ok. Bah, c'est non, fait. Il faut faire la formule qu'on a depuis tout à l'heure, toujours la même. Ah, moi je l'ai fait, c'est 2... moi je l'ai utilisé. Ah oui, il l'a fait. Voilà. Donc, sachant que la force d'arrêt, par exemple, si je prends le compact uni, c'est-à-dire l'arme que vous avez quasiment tous, est de 1. Plus le fait que tu as un modificateur de 2, ça fait 3 de force d'arrêt. Donc une difficulté de 3. Il fait que 2 réussites. Donc bah, il rate son jet d'encaissement. S'il est réussi, ça fait qu'il ne peut pas prendre d'initiative négative, parce qu'il s'est pris une balle au prochain tour. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais prendre l'initiative prompt ou rapide de toute façon, parce qu'il s'est pris une balle. Mais il a réussi son dé. Si il n'a pas réussi, mais de au moins une le jet d'encaissement est raté, mais il a au moins une réussite quand même sur le jet. Ce qui est le cas actuellement. Mm-hmm. Il a moins un dé à toutes les actions physiques et pas d'initiative négative au tour suivant. Donc il perd un dé sur toutes ses attaques. Mm-hmm. Si le jet est raté et aucune réussite, il est hors combat. Et il devra faire un jet de récupération au tour suivant. Au tour d'après encore. Il est au sol et il gémit. Voilà. Dans tous les cas, il se prend des dégâts. Donc, les dégâts, si c'est... Si c'est une balle doum-doum, faut qu'il aille à l'hôpital. Si. C'est méchant. Ça. Et c'est quoi les conditions pour avoir le droit d'achever un gars au sol? Il n'y a aucune condition, t'as pas le droit. Donc, faut juste viser la tête. Attends, je reviens à ce qui est marqué. On est aux États-Unis, hein, je rappelle. Non, t'es plus aux États-Unis, justement, il faut comprendre. Ah, c'est vrai, t'es en Californie. Non, donc, les dégâts, hein. C'est la puissance de l'arme multipliée par c'est le nombre de D6, en fait. La puissance de l'arme représente le nombre de D6 de dégâts. Déjà. Des D6.
Ouais, des D6, ouais. C'est le seul endroit où vous allez lancer des D6, c'est pour les dégâts des armes. Donc par exemple, si je prends le... C'est 3 le compact là, uni, c'est 3. Donc c'est 3 D6, déjà de dégâts. Ouais. 3 D6, donc là ça fait, c'est additionné, hein, donc 8. 8 de dégâts. À ça, tu retires la protection de la personne. Si la protection absorbe les dégâts, ça reste tel quel. Ça reste 0, c'est niet. Si par contre ça perce, on va dire que là de toute façon il était en t-shirt, et ben tu prends le modificateur de localisation et tu le multi et ça te donne un nombre de D6 à rajouter. Ici 2. Donc tu rajoutes encore 2 D6. Voilà. Donc 8 plus 9. 17, ouais. Voilà, 17. T'es sûr que c'est des D6 à rajouter, c'est pas juste le chiffre qui s'ajoute? Non, je l'ai sous les yeux. Modificateur de localisation, D6. Ok. Ah, c'est ultra violent. Ah, si tu tires dans la tête, c'est 3 D6 en plus. Hein, en dégâts. Ouais. Ouais. C'est violent. Alors, c'est à titre d'info, je rappelle que actuellement les points de vie que vous avez tournent entre 32 et 26. Et en tant que joueur, vous avez 10 points de vie de plus que les PNJ. Parce qu'on est quand même des héros de la série. En tant que cops. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si, par exemple, comme Obi ou Sib, ils ont la même carrure que vous, là, il est séché, le personnage. Et juste une question, le fait d'avoir fait 5 réussites, ça change rien ? Ça change, c'est pour la force d'arrêt, en fait. C'est à la force d'arrêt que t'as ça, que le modificateur... on dirait que ça change rien. Non, tu peux faire autant. À partir du moment où tu touches, en fait, pour le coup. D'accord. A priori, je vois pas en fait un endroit où ils disent que le nombre de réussites au jet de tir, en fait, change quelque chose. Pour le coup, non. Mais la force d'arrêt, en fait, c'est bien parce que plus t'as de force d'arrêt, plus tu. Oui, non, mais c'est pas, ça change pas la force d'arrêt de toute façon. Non, ça change pas la force d'arrêt. La force d'arrêt, c'est le modificateur c'est la localisation qui va modifier. D'accord. C'est complètement naze. Ouais. C'est-à-dire que je fais 5 réussites, ce qui est assez exceptionnel. Bah, en fait, dis-toi que là, dans le cas précis, ça aurait été un intérêt si le mec était super loin, en fait. La difficulté, le fait de réussir, faire un maximum de réussite ici, c'est par rapport, en fait, à la portée de la personne. Ouais, ou si t'avais pris des malus pour faire une action plus... Enfin, tirer un peu casse-gueule. Ah oui, et aussi t'as un facteur de temps. Si t'es sous la pluie, etc., la difficulté va monter aussi, hein. S'il fait nuit, voilà. Ce qui fait qu'en gros, t'as fait un très bon tir déjà de base, c'est-à-dire il aurait pu pleuvoir, t'aurais pu être à 200 mètres, tu l'aurais touché, quoi. Sauf que j'étais à 15 mètres, il faisait beau. Hein. Voilà, c'est ça. Et que le gars avait un t-shirt. Alors, donc comme je disais, c'est pas le plus simple en termes de jeu. Je pense que c'est un coup à prendre. Et on va commencer par une grande fusillade où on sera 20 contre 20, c'est ça? Non. Pas mal, c'est de... De se faire une petite fiche explicative avec les étapes d'un jeu de combat. Ouais. De toute façon, ça pour la prochaine, je vais faire une petite fiche pour tout le monde. Avec tous les jets de dés et l'ordre. Ouais. Dans les règles optionnelles, pour l'instant, je sais pas si je vais les faire, mais si vous faites plus de 15 points de dégâts à une personne, en gros, vous provoquez normalement des séquelles durables. Attends, mais si c'est pour des PNJ, enfin, sauf s'ils doivent revenir... Oui, non, mais il y a aussi toi, hein. Ils peuvent aussi faire plus de 15 points de dégâts sur toi. Voilà. Donc déjà, il y a ils ça. Ils ont le droit, t'es sûr? C'est autorisé? Oui, ils ont le droit. Ils vont, je vais même franc, ils vont essayer même. c'est surtout que eux, ils ont probablement accès à des armes de plus gros calibre que nous, en fait. Il y a aussi de ça, hein. Ouais. La première fusillade, on s'est fait tirer dessus à l'arme automatique, hein, avec des flingues. Ouais. Sauf le gars qui est allé chercher le fusil à pompe dans la voiture. Ouh, je m'en souviens pas, hein. Mais ouais. Ça m'est sorti de la tête un peu. Il a essayé d'aller le chercher pendant un bon moment. Il y a été, il a tiré un gars dans le pied avec le fusil à pompe. Dans tous les cas, durant un tour de normalement de combat, vous pouvez aussi vous déplacer d'environ une dizaine de mètres. C'est considéré, je crois, c'est 5 mètres et 10 mètres. Si vous faites le double, en fait, vous avez moins un malus de moins 1 en fait de dés. Voilà. Mais voilà. Autre chose qui est très importante dans les gunfights, c'est le tir de couverture. Vous pouvez choisir en fait de faire un tir de couverture. Le tir de couverture va passer avant
le choix de l'initiative, de l'attitude. Parce que c'est un jet à part, en fait. Mais ça sera votre action. Il passe avant tout le monde, et un tir de couverture réussi, ça fait que vous immobilisez la cible à un endroit. C'est-à-dire elle peut pas, elle bougera pas, elle ne sortira pas, elle restera planquée en attendant que ça s'arrête de shooter. Okay, tu peux pas agir quand tu es sous le coup d'un tir de barrage, mais tu te prends des attaques, quoi, en fait, c'est ça? Alors, d'abord, vous faites votre tir de barrage, donc c'est un jet hein, à faire. C'est un tir normal, pour le coup. Jette les dés pour un tir normal, modificateur d'aptitude et précision, avec un bonus de 2 dés. On prend pas en compte l'initiative pour la simple et bonne raison que aucune est annoncée à ce tour. Bah oui, parce que tu fais, ça passe avant tout le monde. Mais on considère que vous êtes à 0. Hein ? Fais un exemple. Attends, j'y arrive. J'explique justement. C'est ce que je fais, j'explique. Donc toutes les armes ont une valeur donc de tir de couverture qui correspondent à la difficulté du jet du tir de couverture. Donc par exemple, si on prend le compact unique et le flingue que vous avez tous pris pour l'instant, le jet de couverture, c'est une difficulté de 3. Tu vois ça où? C'est VC? Ouais, VC. D'accord, parce que si tu me le dis pas, on sait pas nous. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je vérifie. Ouais, c'est VC, c'est ça. Valeur de tir de couverture, exactement. Ce qui correspond donc au jet de difficulté, donc vous faites votre jet. Donc par exemple... Wedge. Moshi. Est-ce que tu peux me faire un jet de tir? Vas-y, dis-moi ton personnage. Prends ton personnage. Deux secondes. Choisis s'il est planqué, prudent, agressif, ultra violent. Alors ça, j'ai pas compris comment bouger le token en fait. Sur la barre d'outils à gauche. Ouais. T'as une espèce de croix avec des flèches. Ah merde, j'ai fait la barre d'outils. C'est bon, je l'ai. Voilà, et de là, après, avec ça, tu peux déplacer ton personnage. Il faut la garder, la barre d'outils. Alors, elle est déplaçable, la barre d'outils. Je peux la mettre à droite si tu veux. Voilà. Attends, mais je trouve pas le truc de croix avec la flèche. C'est vers le bas. La barre d'outils. C'est une flèche à 4. Flèche à 4 directions, qui est déplacée, voilà. Orientée. Ouais. Bah alors ça doit quoi être ça? Fenêtre, outil. Ah, au-dessus du plus. Ouais. T'as un plus, un moins, et au-dessus du plus, t'as ça. T'as une espèce de viseur. Ah, d'accord. Ok. Ok, ça y est. Et là, tu peux attraper ton personnage et le déplacer. Bon, là, c'est okay. sur un tableau, mais on peut faire des plans, en fait, et ça peut déplacer le personnage. Donc on sait que Wedge aime la disco. C'est ça. Bref. Donc là, de base, on va dire que tu fais un tir de couverture sur un ennemi. Pour prendre un exemple, Wedge. Donc il faut que tu me choisisses ton attitude, en fait. Si t'es planqué, prudent, normal, agressif, ultra violent. Ouais. Ouais, c'est bien ça, pas de modificateur. je me prends pas la tête, hein, tu vois. C'est... Ok. Donc là, je vais te demander, en fait, normalement, de faire un jet de tir. Et donc, avec ton bonus en précision et un bonus de 2D. Donc, normalement, ton jet de tir, c'est... Hop, je suis en train de... Là, je prends ces stats de normalement la feuille à Kevin. Je suis en train d'essayer de la faire passer devant. Hop. Donc normalement c'est réflexe, donc déjà t'as 2 dés. Ouais. Donc y'a pas de modificateur de ce côté-là. Tous les tirs sont en réflexe, hein. Ouais. D'accord. Et coordination, il sert à quoi? Ah bah excuse-moi, non, j'ai pas vu, j'étais en train de chercher, mais ouais, y'a coordination, donc voyons que coordination, réflexe, c'est... Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça dépend vraiment, en fait, de comment tu le prends. Bah, ça dépend, en fait, de la situation. Si tu fais du tir réflexe... Mais ouais, normalement, c'est coordination, quoi. Excuse-moi. C'est coordination, donc 3D. J'avais pas vu le truc... En fait, je regardais les carac et j'ai pas vu coordination. Sinon, je l'arrête. Donc, coordination 3D. T'es en normal alerte, donc rien de plus. Et ta précision, la précision du compact uni, c'est 1, c'est ça? C'est 0. Non, c'est 0, oui. Donc pas de modificateur, oui, donc ça fait 4D. 4D. Attends, avec une... J'ai une capacité spéciale, tir de couverture, plus non, mais... 2D. Ça oui, non, mais 6, oui, mais ça c'est pour toi. Non, mais ça fait 6, c'est ça? Oui, toi, ça passerait à 6. Ouais. Mais, donc, ouais, donc ça fait 4D à lancer.
Alors, t'as déjà la couverture. Ça fait plus de dés à lancer. Non ? Bah, 2 plus 2, ça fait 4. D'accord, ok. Et le, c'est ça, hein, c'est, ça, ça c'est... Ah non, excuse-moi, coordination à 3, plus 2, donc 5. Okay. J'ai resté sur le, plus, le 2 tout à l'heure. C'est, non, mais ça, ça me paraît aussi bizarre. Moment, le fait. C'est... Et par contre, l'initiative, valeur. Il faut que t'aies 4 balles au moins dans le chargeur. Donc tu tires sur une zone de couverture. Et c'est où la difficulté ? Bah, la difficulté, c'est... La et l'arme de poing ? C'est la VD. La zone de... Enfin, la oui, VD, c'est... Ouais, c'est l'arme de poing. Donc vas-y, si tu peux faire ton lancer de dé, s'il te plaît, Wedge. Ça ? Ouais. T'as 7 en tir, c'est ça ? Oui, arme de poing. Ok. Donc t'as fait 2 réussites. Oui. Ok. En fait, avec ce tir... Avec cette... avec le... Avec, comment ça s'appelle, le nombre de réussites. Alors, il faut qu'en fait, le, l'ennemi, en fait, fasse un jet de sang-froid. De sang-froid. En ayant la difficulté. La difficulté étant ta marge de réussite. Donc, il doit faire un jet de sang-froid, en fait, sous deux. Pour réussir, en fait, à se mettre à découvert. S'il rate ce jet, en fait, il reste à couvert. Et il ne bouge pas pendant ce tour-ci. Il ne fait aucune action. Il est bloqué là. D'accord. Alors la question est, en fait le truc, c'est que la VC, c'est censé être le seuil de réussite qu'il, va, qu'il doit faire. Non, le... putain, attends, j'ai vraiment du mal avec ce truc. Alors, compétence d'arme, coordination, 2D, c'est, entre parenthèses, VC. Donc ouais, non, excuse-moi, ouais, c'est la difficulté. Donc c'est combien la difficulté déjà avec le compact 3. Uni 3, donc c'est 3. Raté normalement. Ouais. Voilà. Non, alors, donc normalement, la difficulté, donc ça fait que le tir de couverture est raté. Si t'es réussi, le personnage pris sous le feu d'un tir de couverture devra faire un jet de sang-froid. Donc un jet de sang-froid, sachant que tous les jets de caractéristiques sont sous 6, en fait. S'il y a juste la carac, c'est sous 6. Donc il fait un jet de sang-froid. S'il est raté, donc bah, il rate son jet de sang-froid, il reste en couverture, le gars bah, se planque. Si le jet de sang-froid est réussi, le tir de couverture est raté, et le mec peut se montrer à découvert. Par contre, il a des chances d'être touché. Attends, juste question, c'est quoi la difficulté quand t'as sous tir de couverture ? La difficulté de quoi ? Du tir de couverture ? Non, non, le mec qui fait son jet sous sang-froid. 3. 3. Difficulté de 3. Il faut que tout le temps. 3 jets, d'accord. Ouais, 3 jets en sang-froid. Avec 6. Ça se fait, hein. Ça se fait. Hein. Ça se fait. Ça dépend combien il est en sang-froid. Ouais. C'est faisable. Donc après, si la personne sort, en fait, je suis censé lancer, en fait, un des 10. Enfin, la marge de réussite plus un des 10. Plus encore un des 10 si la cible est en agressif. Plus 2 des 10 si la cible est en ultra-violence. Et pour chaque 10 que je vais faire sur ce lancer, il va se prendre une balle. D'accord. Voilà. Il vaut mieux rester planqué. Ah ouais. Ah non, parce qu'il n'y a que les 10 qui font des balles. Voilà, il n'y a que les 10 qui font des balles. Mais voilà. Et je peux pas envoyer plus de D10. Enfin, je peux pas envoyer plus de réussite de D10 que de balles qui a été tirée. C'est qui décide le nombre de balles qui a été tirée ? C'est le caractère. Alors, le minimum qu'ils disent, il faut avoir 4 balles dans le chargeur. Et effectuer un tir de couverture vide entièrement le chargeur de l'arme. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Oui, en fait, en un tour. Putain. En un fait, tour. Si tu fais un tir de couverture, le chargeur est plein, tu balances 12 bastons. Alors, ils disent qu'il y a certaines armes où c'est pas obligatoire, en fait. Hein. Mais ils précisent pas, ils disent que c'est à voir dans l'équipement, mais je pense que c'est pour les armes automatiques, pour le coup. Ouais. Ou les armes à chargeur, là, à grand chargeur. Quoi. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas des armes que vous avez. Après, on a le tir en rafale contrôlée, c'est pas pour vous pour le moment. Je présume que la VC, elle doit baisser avec les armes automatiques, justement. Par exemple, si t'as un fusil mitrailleur ou un pistolet mitrailleur, ta VC, elle doit baisser. Ouais. Et par exemple, dans le cas du Colt, de fonction, que personne n'a pris pour l'instant, bah la VC, elle est super élevée, quoi. Je crois elle est à 5. Oui, parce que faire un tir de couverture au Colt ou au semi-auto, voilà, quoi. Ouais. Autre chose. Alors, je l'appliquerai. Alors, vous pouvez aussi choisir de faire plusieurs attaques par tour. Il faut l'annoncer à l'avance. Et c'est par rapport. Il faut voir votre CT, c'est-à-dire la cadence de tir. La cadence de tir dit le nombre d'attaques que vous pouvez faire par tour. Par contre, si vous décidez de mettre plusieurs attaques par tour, la première attaque moins 1D, deuxième attaque moins 2D, troisième attaque moins 3D.
Voilà. D'accord. Etc. C'est un tarif dégressif. Et là, si tu fais 12 attaques, la 13e est gratuite, non? Non. Dernière chose. Si, suivant la, là où vous serez, c'est-à-dire la situation, j'ai une table de balles perdues. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous tirez, vous commencez un gunfight en pleine rue et il y a beaucoup de monde autour. Il y a de fortes chances que toutes les balles qui ne sont pas envoyées dans le buffet d'un ennemi ou dans un mur ou autre, enfin non, qui sont pas envoyées dans le buffet d'un ennemi, finissent quelque part. Ça peut être dans un mur, ça peut être dans une voiture, dans un bien de grande valeur, dans une autre personne qui avait rien à voir avec tout le reste. Ou dans un collègue. C'est déjà arrivé. Voilà. Ça s'appelle du friendly fire. Dans le même style de règle qui est assez particulière, à partir du moment où vous faites un certain nombre de points de dégâts, et suivant la puissance de l'arme, vous pouvez percer. Et si vous percez, on retourne sur la table des dommages collatéraux. Ouais, donc si on tire, ta perce, c'est qu'il y a notre petit camarade de l'autre côté, ils sont pas en vie. C'est ça. Ah oui, on traverse la personne, quoi. Ouais. Tu peux traverser. Ouais. Oh, c'est cool. Alors, t'as un certain nombre de modificateurs. En fait, t'as un certain nombre de dés à lancer et de modificateurs à appliquer. Et suivant ce que tu tombes, tu perces ou pas. Mais quelque part, est-ce qu'on peut considérer que c'est le criminel qui s'est fait percer le coupable? Parce que c'est lui qui a pas réussi à retenir la balle. Non. Bon, le concept étant le suivant, hein, je vous explique rapidement. C'est je lance un des 10, j'additionne les modificateurs que j'ai sous les yeux. Si le total est égal ou supérieur à 10, ça traverse. Les modificateurs étant moins 1 si c'est 10 points de dommage ou moins. Plus 1 si c'est 15 points, plus de 15 points de dommage. Et après, les autres modificateurs, c'est suivant la puissance de l'arme, à partir de 7. Non, mais ça vous permet de tirer, par exemple, sur l'otage pour choper le mec qui est derrière. Alors, comme je disais, il faut faire assez points de dégâts pour traverser, que moi, j'ai de la chance ou malchance au dé. Et en plus, si vous voulez le maximum d'effet, il faut avoir une balle perce bindage ou une arme de très, très grosse puissance. Donc ouais, minimum 7 pour avoir des modificateurs. Je rappelle que vous êtes sur l'otage et le preneur de terroriste. Le preneur de parce qu'une arme de puissance 7 que tu sois très doué. C'est pas un revolver qu'à ça, quoi. Ouais, tu feras pas au pistolet normalement. Ou t'as vraiment pas de chance. Tu veux dire qu'on peut utiliser un Desert Eagle avec des munitions à uranium appauvri pour percer directement du blindage? Non. Le corps à corps, ça marche grosso merdo pareil, sans les jets de tir, ça va être des jets de corps à corps en fait. Je reviens tout de suite, 30. Mais on verra au moment d'un corps à corps parce que c'est un peu truc. Vous pouvez prendre des dégâts par noyade, asphyxie, explosion, empoisonnement, drogue, chute. Tu me rappelles juste la PU? Hein? La PU, qu'est-ce que c'est sur l'arme? C'est la puissance. D'accord. C'est le nombre de dés que tu lances pour faire les dégâts. Le nombre de D6. Donc, par exemple, dans ton cas... C'est 3 en général pour l'arme standard, non? Ouais. L'arme standard est à 3. Et par exemple, toi, les autres armes, des fois, peuvent être à plus ou moins. Ça dépend des armes, quoi. Sachant que je suis en train de voir que j'ai pas donné les stats du tonfa à tout le monde. Ouais, moi je l'ai pas, par exemple. Ouais. Bon, ça sera bien n'est pas. Moi, j'ai un projecteur. Moi. Bon, on arrive à la partie poursuite. Ouh. Ça m'intéresse. Donc, de base, on est deux chauffeurs. J'explique comment ça. Bah, en fait, vous êtes tous des chauffeurs, mais il y a plusieurs chauffards. Trois chauffards. Je fonce dans le cul du véhicule pour l'arrêter, c'est tout. Donc, j'explique comment ça se passe, en fait, la poursuite, ça se passe, alors je lis, hein, en 5 phases. La phase 1, le meneur de jeu attribue entre 3 et 5 dés à chaque participant de la poursuite, poursuivi et poursuivant. C'est déterminé. Alors, le nombre de dés que je donne, c'est suivant, en fait, que vous êtes loin ou proche du véhicule, en fait. Plus vous serez proche, plus vous avez de dés. Plus vous êtes loin... moins vous avez de dés. Au début, je parle bien, au début. Parce qu'après, ça va changer à chaque tour. Après, on détermine la difficulté. À savoir que, en fait,
celui qui a gagné le tour précédent ou celui qui a le plus haut en conduite, c'est au choix du MJ, va annoncer le nombre de réussites qu'il vise avant ou après son adversaire, c'est son choix. L'adversaire va devoir choisir une difficulté égale de plus ou moins 1 celle qui a été annoncée en premier. Donc il peut surenchérir sur l'adversaire ou donner une difficulté en dessous. Après, on jette les dés. On regarde le nombre de on regarde d'abord s'il y a une réussite et le nombre de réussites. Après, on fait le crash test, résolution des incidents déterminés. Et en dernier, les actions des secondaires, à savoir les accrochages ou les actions des passagers. Oui, vous pouvez tirer en voiture. Et le conducteur aussi peut tirer en voiture, mais c'est pas conseillé. Mais il peut le faire. C'est sportif. C'est sportif. C'est... Ah, il faut avoir des bollocks. Je présume qu'il faut qu'il annonce son action avant, de façon à pouvoir avoir son premier déjà moins 1 dé sur son jeu de conduite. Non, parce que ça sera pour le suivant qu'il aura un dé de moins. Pour le poursuivant. Enfin, de mémoire. C'est, de toute façon, les actions secondaires se résolvent en dernier, donc on verra bien. Je reprends, donc. Si, au départ comment ça s'appelle, des poursuivants et du poursuivi, si la distance est courte, le poursuivant lance 2 dés de moins de plus, 2 dés, lance au moins 2 dés de plus que le poursuivi. C'est le concept étant à pied, vous êtes quasiment au corps à corps. En véhicule, vous pouvez percuter et prenez le véhicule. Ça, la distance courte. Intermédiaire. À ce moment-là, le poursuivant et le poursuivi ont un dé de différence. Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc, à pied, ça fait que bah, vous pouvez vous tirer dessus, vous lancer des trucs à la gueule. En véhicule, ça fait que vous pouvez... Les conducteurs peuvent tenter de réduire ou d'augmenter la distance, et les passagers peuvent tirer avec d'importants malus. Et en distance longue, le poursuivi lance 2 dés de moins, 2 dés de plus, au moins 2 dés de plus que le poursuivant. Donc à pied, bah, tout ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'augmenter et de réduire la distance, et en véhicule, bah, pareil. Et c'est marqué que les passagers peuvent quand même allumer quelques passants histoire de rigoler. Bon, je vous le déconseille en tant que cops, hein, quand même. Ah bon. Ça dépend, Marc. Si on est dans une ville où il n'y a que des rascals. Ben... Mm-hmm. Si on est en zone de combat cyberpunk, non, pardon. Ouais, bon. Donc ça fait beaucoup de... De toute façon, ça fait beaucoup de règles à encaisser, et puis on refera au fur et à mesure, de toute façon, des trucs sur ça. Jet de poursuite. Donc, la compétence utilisée, le nombre de dés que je vous donne, et le nombre de réussites annoncées. Donc si les deux jets sont réussis, c'est-à-dire pour le poursuivant et le poursuivi. C'est quoi la caractéristique de base ? Bah normalement c'est conduite, hein. Mais après ils disent caractéristique de base parce que là ça peut être à pied. Donc à ce moment-là c'est de l'athlétisme, la compétence. Et la caractéristique, bah majoritairement, bah ça va être soit coordination, soit réflexe. Ça va vraiment dépendre là, pour le coup de la personne qui conduit. Hein. Parce que les deux sont, mais ça risque d'être plus coordination aussi, hein, la caractéristique qui va être utilisée. En fait, si tu dois éviter, s'il y a beaucoup de circulation rapide, tu devras certainement plus faire du réflexe, que de coordination. Voilà. De toute façon, les dés de carac qui vont être utilisés par rapport à une compétence, vous pouvez très bien contester ce que je dis, c'est-à-dire me dire non, moi je pense que là, par exemple, j'y vais plus prudemment, je vais plus utiliser ma coordination que mes réflexes, clairement. Clairement, par exemple, tu utilises réflexe quand tu veux poursuivre quand tu fais ta poursuite en voiture en traversant un carrefour qui est largement qui est passant, tu vois. Dans tous les cas. Qui traversent. Donc si les deux personnes ont réussi leur jet, allez, on va le faire en exemple parce que ça va être un peu plus parlant. Qui va être le poursuivant, qui va être le poursuivi? Ouais, je vais faire le poursuivant. Poursuivant. Poursuivi, qui c'est qui essaie d'échapper à Athlon? Vas-y, j'essaie d'échapper à Athlon. Ah. Bah sinon, ouais. Wedge, il a les compétences de voiture autant qu'il les utilise. Bah pour l'instant, il les a pas, il a les tiennes. Hein. Ah oui, c'est vrai. Enfin bon, il va pas le faire, autant qu'il l'apprenne à le faire, lui, quoi, ce que je veux dire. Quoi. Ok. Donc, de base, je vais vous donner, toute façon, je pars du principe que vous partez à une distance qu'on qualifiera d'intermédiaire, et je vais vous donner en gros les mêmes chances. C'est-à-dire que vous allez partir tous les avec 4 dés blancs.
Donc vous avez 4 dés pour faire votre compétence. Donc on va commencer donc donc le niveau de difficulté actuellement. Qui a le plus haut en conduite? C'est Tlon. Parce que t'es à 6, je crois. Le plus haut ou plus bas? Donc tu annonces la difficulté, j'essaie. Le nombre de réussites que tu vises alors, en fait. On est au même niveau que. Ah, vous êtes au même niveau? C'est quoi sinon? On va commencer par le poursuivi alors. Donc, t'es. Wedge? Oui. Tu annonces le nombre de réussites que tu vises. Attends, tu m'as donné 4 dés, c'est ça? T'as 4 dés, ouais. Et t'as 7 ans en conduite. Ah, moi j'avais compris que c'était le poursuivant qui donnait le... Non. D'accord, ok. Non, c'est... Je te le redis. C'est soit la personne qui a gagné le tour précédent, donc dans le cas présent, personne, hein. Ouais. Soit celui qui a la conduite la plus haute, qui annonce le nombre de réussites. Et pour le coup, c'est à la discrétion du MJ, c'est-à-dire c'est lui qui choisit, pour le coup. D'accord, ok. Donc je dis 2. Donc 2 réussites. Ouais. Donc Clon, est-ce que tu veux aller à sur 3 ou tu assures sur un, la même chose ou moins 1? Non, je challenge sur 3. Ok. Alors je vous demande de lancer vos dés, hein. Bah, la coordination c'est conduite, quoi. 3 C7 pour moi et c'est un 2 C7 pour lui. Ça dépend, il a combien en coordination Wedge? Non, il a 3 en c'est coordination. 3. Donc il a 3 aussi, hein. Il a 3, oh, oui, pardon. T'as fait 5 Wedge. Ah oui, non, mais non. Attendez, Attends. C'est pas... Mais je suis con, il n'y a pas de coordination ni rien, c'est les nombres de jets que vous... de dés que vous avez, donc oui. C'est 4. Oui, mais c'est 4, c'est 7. Il n'y a pas de coordination ni de réflexe pour ce coup-là, c'est plus pour les jets en fait. Donc c'est le nombre de dés, donc c'est 4 dés. Tous les deux, vous avez. Et donc, ouais. Wedge, il faut que tu relances. Oui, non, mais est-ce que. Non, mais là, le score que tu vois au-dessus, c'était le précédent quand je tirais en rafale. Ok, excuse-moi. Moi, en fait, j'annonce 3. Autant pour moi. Qu'un seul, a priori. Non, t'en fais 2. T'as fait exploser ton. Ah, oui, ton 10. Fait exploser, oui, pardon, j'ai fait exploser mon 10. Oui, mais c'est un 6. C'est pas un. Ah, oui, c'est un 6 qu'il a eu, ouais, donc une seule réussite. Donc déjà, toi, ton jet, il est raté. Putain, je cale. Ça marche pas, moi. Non, il faut que tu le fasses quand tu lances un des jets. Alors, t'as du 4 des 10. Tiens. Attends. Oui, 4 et 7. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2. Attends, que je me souvienne de la formule. Allez, ok, tac. Normalement, si tu fais haut, tu récupères ce que t'as écrit hein, sur le chat. Flash haut. D'accord. Ce que t'as écrit sur le chat. Ok. Évidemment, je. Hop, et moi. Je fais 3 réussites. Donc. T'as fait une, deux, trois. Alors. Oui, mais je réussis, non, mais c'est pas grave. Le but étant de réussir et de faire le plus de réussites possible. De toute façon. Donc, dans ce cas précis ici, donc celui qui a raté. Si jamais le but c'est de faire une réussite le plus possible. Laisse-moi finir, Sib, j'explique. Attends, s'il te plaît. Alors. Celui qui a raté son jet. Donc ici on est dans le cas où il n'y a qu'une seule personne qui a réussi son jet. Exactement. Donc ce qui se passe c'est que celui qui a raté perd automatiquement un nombre de dés égal à sa marge d'essai plus 1. Donc t'avais demandé combien, Tlon? 3. Donc t'as fait 1. Donc ça fait 2 plus 1. Donc tu perds 3 dés, il t'en reste qu'un. Oh putain. Alors tu peux choisir. Attention. Tu peux choisir de transformer tes dés ou une partie de tes dés en dés noirs. Ça veut dire que tu vas conduire dangereusement. Tout de suite, le noir est associé au dangereux, c'est raciste. J'ai bien dit, un noir au volant, c'est dangereux, on l'abat tout de suite. Donc, tu peux choisir, là, tu vas perdre 3 dés. Tu peux choisir d'en transformer, sur ces 3 dés, tu peux tous les transformer en dés noirs, ou 1, 2 ou 3 dés, en fait, en dés noirs. Ouais, alors, je vais tout transformer en dés noirs, j'aurai un dé blanc et 3 dés noirs. Voilà, ça fera deux jets indépendants, parce qu'on peut pas les différencier sur le jeu, hein, normalement. Donc. Rollistim fait pas de la ségrégation de la couleur de dés. Non, c'est pas lui, non. C'est pas Rollistim. C'est éthique, hein, c'est comme ça.
Donc là, d'un point de vue d'un point de vue purement technique, ça fait que sur ce tour-ci, Wedge, en fait, bah tu te t'arrives à te à tracer de la distance par rapport à Tlon qui essaie de te rattraper. Hein. Non mais attends, je suis pilote moi. Tu m'as demandé un jet de pilotage, hein, donc c'est bon. Hein. Le fait qu'il fasse. Hein. Laisse-moi, j'explique. Si je vais expliquer les autres possibilités cibles. Donc. Parce que c'était Kevin. Non mais moi il y a un truc que je comprends pas. Mais oui mais attends, j'explique. Si les deux jets avaient réussi. Ouais. Voilà. Si le poursuivant a plus de réussite que le poursuivi en fait perd un dé. Si c'est l'inverse, en gros, on compte le nombre de réussites. Celui qui a le plus de réussite reste à son nombre de dés, l'autre en perd un. Par contre, si vous avez autant de réussite, le nombre de dés de poursuite n'est pas modifié. Il me distance pas, mais je le suis quand même et on reste voilà, à la même ça distance. Ça bouge pas. Donc, en fait, l'intérêt en fait de choisir la difficulté, Siv. C'est en fait de me. L'intérêt des difficultés, c'est pas le nombre de réussites, c'est à la fois le nombre de réussites, mais c'est aussi pouvoir mettre la pression ou non aux joueurs, aux autres en fait. Mais ce que je remarque, c'est que si jamais le mec te dit je mets 3 en réussite, comme a dit Tlon, ouais. Et que ouais, je dis moi je mets que 1, je vois pas l'intérêt pour Tlon d'avoir dit 3, à part ce qu'il peut pas mettre 1, ça sera toujours plus ou moins 1 de ce qu'il a demandé. Ouais, c'est ça. Le Wedge m'a annoncé 2, je pouvais faire ou 1 ou 3, mais je peux pas faire. Voilà. Et si jamais il avait dit 1, ça aurait changé quoi? Ça veut dire qu'il avait besoin que d'une réussite pour valider. Il aurait réussi son jet. Sauf que Wedge a fait plus de réussite de toute façon que lui. Donc j'aurais quand même perdu 2. Après, l'intérêt réel. Bien sûr, mais ce que quand t'as une meilleure conduite, t'as plus de chances de faire des succès. Et donc, tu pousses l'autre à la faute, en fait. Ouais, et c'est en fait le premier qui choisit le premier qui va choisir son, le nombre de succès peut pousser l'autre plus facilement à la faute, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu dis que de base je veux 5 succès, l'autre il sera obligé au minimum de faire 4. S'il a pas assez de dés pour faire 4, s'il lui reste que 4 dés, c'est déjà tendu. voilà, en fait c'est vraiment c'est essayer de pousser l'autre à la faute. Alors, pour continuer dans cet exemple, maintenant que je vais avoir 3 dés noirs, qu'est-ce qui va se passer avec ces fameux... Justement, on va continuer la poursuite, déjà. Ouais. J'ouvre le robinet. C'est mal parti pour ta gueule. Hein. Je passe à côté pour le moment des tirs. Parce que, clairement, les tirs, en fait, j'explique rapidement. Hein. Les jets de tirs se font en termes de difficulté suivant la distance de plus 1, plus 2, plus 3. À savoir courte, longue, distance à la matière est longue, et à la difficulté, tu rajoutes le nombre de dés noirs que le conducteur a. Ah ouais. D'accord, oui. Donc là, dans le cas de Tlon, où la distance devient plus une distance longue, s'il avait un copilote qui voulait tirer sur Wedge, la difficulté serait de 6. C'est un peu taquin. Ah ouais. Ah oui, c'est taquin, là. En fait, a priori, comme Tlon a essayé de garder ses dés noirs, la distance n'est pas censée se réduire en fait, vous commencez tous à 4 dés le prochain tour. Oui. Alors oui, ils vont tous commencer à 4 dés. Sauf que voilà. Je vais lancer en fait un dé blanc et 3 dés noirs, parce qu'apparemment il y aura... Ouais, c'est vrai que c'est... Donc, distance... t'as raison Kevin, la distance c'est le nombre de dés qui reste, excuse-moi. C'est ça. Et donc ce qui fait qu'en fait non, vous êtes toujours à la même distance, c'est juste que Tlon prend de plus en plus de risques. Ouais, c'est ça. Enfin, là il est en train de rouler sur deux roues. On va voir ça au tour suivant. Et si vraiment moi je voulais tirer là, avec une difficulté de 6, il faudrait que tu fasses, que tu regardes la densité de passant, c'est ça? Il y a de fortes chances, oui, parce que tu risques de tirer à côté, ouais. Si t'es sur l'autoroute, ça, je veux dire, je vais pas faire de jet de balle perdu, sauf si je suis un peu. J'ai envie de faire chier. Il y a des gens qui meurent sur l'autoroute, hein. Oui, ça dépend si elle est vide ou pas. C'est vrai que la matrice, on ne va jamais sur l'autoroute. Attends. T'es dans Los Angeles. S'il y a bien un truc qui est jamais vide, c'est l'autoroute. Ah, ça dépend si tu vas direct sur le Morave. Ah, mais il n'y a pas d'autoroute dans le Morave. Il y a juste une route très longue et très droite et très monotone. Et surtout très désertique. Bon. Et tu peux sortir de la voiture pour tirer. Allez, deuxième tour. Donc Wedge, t'as gagné. Tu choisis en fait à quelle difficulté tu mets. Vous avez toujours tous les deux 4 dés. Toujours 2. Ok. Clon. Je vais descendre à 1. Ah ouais, c'est tout. Allez, faites vos jets. Alors, le dé blanc. Qui est raté.
Ok. Vas-y, des noirs. Mais tu peux lancer comment dire, tu peux lancer les 4 dés et on dit que le premier est le blanc et les 3 derniers sont les noirs. Hein. Oui, enfin c'est plus simple de mettre les dés noirs après, au moins comme ça on est. Ça. Par contre, les dés noirs, j'ai une réussite. Une réussite. T'as un 1. C'est quoi le 1? Attends. Déjà, et Wedge, s'il te plaît. Ah, toujours là. Une réussite. Je te conduis, bis quoi. Donc techniquement là, ce qui se passe, c'est les deux protagonistes ont autant de réussite et leur nombre d'aides poursuites n'est pas modifié parce que vous avez tous les deux zéro réussite en fait. Ouais, j'ai fait deux réussites, il en a annoncé deux, et toi t'en as annoncé une en fait, donc ça fait zéro en fait. Vous avez pas de marge de réussite en fait. Oui, t'en as une de plus que moi. Oui, mais c'est par rapport à la marge normalement. Hein. Oui, d'accord. Donc normalement, de ce que je comprends. Hein, à moins que ce soit juste les pures réussites à ce moment-là qu'on compte, à ce moment-là, oui. À mon avis, c'est les réussites. Ouais, c'est les réussites, il n'y a pas de marge. Et d'ailleurs, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, ce qui fait qu'en fait, Wedge, normalement, gagne ce tour et Tlon, pour le coup, normalement, tu es censé perdre, donc tu n'as pas raté ton jet. Donc, mais tu perds encore un dé de poursuite que tu peux transformer en dé noir. Mais on va passer vite fait sur les dés noirs. Alors, le dé noir, il arrive quoi quand il fait quoi? J'y arrive. Donc la perte de dés, crash test. Les dés de poursuite perdus à la suite de jets sur la table de crash test ne peuvent pas être transformés en dés noirs. Oui, parce que ce qui risque de se passer, c'est que si en prenant des risques, tu peux perdre encore des dés, mais que tu ne pourras pas récupérer. Oui, c'est la bagnole qui lâche, là. Ouais. Alors, lorsque le personnage lance des dés noirs parmi les dés de poursuite, ces dés fonctionnent de manière particulière. Si un dé indique une réussite, un résultat supérieur ou égal à la compétence de la poursuite... il s'agit, de, il, sa, c'est, il agit comme un dé normal. Déjà, t'as un dé qui est sauvé. Cool. Déjà ça. Pour le reste. Et donc, en revanche, si le dé indique un échec, il devra alors effectuer un dé 6 sur la table de crash test. Si plusieurs dés noirs indiquent des échecs, il faut suivre le truc. Sachant qu'en fait, j'ai une table par échec. Donc, t'as fait deux échecs. Donc, tu me lances un dé 6, s'il te plaît, Tlon. Déjà un 5. En fait, faut prendre des dés noirs que quand t'as une compétence très très basse en fait. Ouais, ça va quoi ça. Alors, 5, plus de frein. Ajouter un niveau de difficulté au jet de compétence déclenché par un crash extérieur. Oh, t'as désormais, monté sur le trottoir. Désormais, les dés perdus ne peuvent plus être transformés en dés noirs. Le véhicule perd un point de structure. Ah ouais. Okay. Voilà. Là, t'es en train de faire cramer les freins. Voilà, non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de frein. C'est fini. J'ai tué les plaquettes en un seul coup de frein. Donc, Il y a un deuxième. Il y en a un deuxième. Oui. Ouais, deuxième. Non. Il n'y a pas de deuxième, excuse-moi. Non, deux échecs. C'est une table pour les deux échecs. C'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Non, il y a un niveau d'échec et plus tu auras d'échecs, plus ton D6 va faire mal. Trois échecs ou plus, le 5, c'était tu défonces un gamin. Hein. Cool. Enfin, c'est un gamin traverse devant le véhicule, utiliser une compétence réflexe, compétence de conduite réflexe à 4. Et si le jet réussi, tu perds 3 dés de poursuite qui peuvent pas être transformés en dés noirs. Et si le jet est raté, je lis. Hein. Percussion infantile. Le gamin vient de s'éparpiller sur tout le véhicule dans une super gerbe de sang, de cervelle et d'entrailles. La poursuite peut continuer. Le personnage peut tenter de se prendre un mur ou plutôt que de frapper le monopin. Tu mets les essuie-glaces, quoi, de base. Voilà. Tout ce que j'ai à dire... C'est que faut pas que dans le précédent truc, tu aies eu, dans les crashs, la question qui se pose. Ton dé blanc. Il peut plus convertir à cause de des freins. Donc t'es à 3D. Est-ce que je garde 3D noir? Sachant que j'ai plus. Ah mais tu peux, t'as pas le choix hein. Tu peux pas perdre des dés noirs comme ça. Le seul moyen de perdre si, des dés noirs, c'est que arrêter la poursuite. Ouais, tu peux arrêter la poursuite. Sans frein. Non, justement, mais ça sert à rien de freiner, je vais le rattraper. Allez. Il arrête d'accélérer déjà, c'est pas mal. Oui, non mais de toute façon. On est pas dans la voiture. Non, c'est un exemple. C'est qui veut être avec moi dans la voiture? Et ça Moi, je suis avec toi, moi. J'ai pas de chemise rouge, moi. Non, mais attends, le mec, il a 3D... À 8, c'est plus à 7, moi. Attends, le mec, il a 3D noir. Attends, le mec, il a 3D noir, c'est pas compliqué. Tu prends pas ton arme pour tirer.
tu ranges ton arme et tu t'agrippes des deux mains à la poignée. Ah, mais moi, à partir du moment, si je suis dans ta voiture et que t'as 3 dés noirs, je pointe le gun vers toi et je te dis de t'arrêter. Y'a pas moyen. Mais là, il peut pas, y'a plus de frein. Non, mais je l'aurais fait avant, moi. Hein. Je l'aurais fait avant qu'il fasse les échecs. Hein. Wedge, t'annonces le nombre de réussites. Il a plus que 3 dés en face. 2. Ok. Ouais, je garde un. Vas-y. Ah, c'est pas toujours un échec. Non, il y a pas de, d'échec. Ok. Donc. Après, mais de toute façon, en fait, je crois, tu peux pas descendre tes compétences à 2. Voilà. Donc, grosso modo, je viens de me vautrer, mais alors méchamment. Vas-y, tu peux me lancer ton D6, plomb. Oui, alors là, donc, là, ta voiture va s'arrêter. Grosso modo, c'est ça. Ah ouais, j'y l'assure, hein. 2. Vous me demandez des jets de conduite. 2. Ça va. Alors, je lis, hein. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Soudain, un impressionnant nuage de fumée envahit tout le véhicule. La poursuite s'arrête aussitôt et la voiture vient doucement d'agoniser sur le bord de la route. En haut libre. J'avais même pas un V6, quoi. J'ai essayé de le poursuivre. Non, mais en fait, je vois le truc. En fait, il a démarré avec le frein à main à fond, enfin serré. Il a quand même accéléré comme un fou, et donc et il a cramé les frères. Ouais, je fonce droit vers Las Vegas. Voilà. C'est ça. C'est il fonce, il a pas besoin de foncer, il y va normalement. Hein, en fait, dans le de la route. Hein. Il est en courant qu'il y avait une poursuite. Hein. Donc, avant de poursuite, j'ai donc, comme je disais, pour les crash tests, j'ai donc 3 tables sur pour les véhicules, et 3 tables pour la course à pied, parce que j'ai aussi des trucs pour la course à pied. Hein. Du style, même avec le chien qui traverse et tout ça, je présume. Oui. Bon, le bon classique de la plaque de verre aussi. Hein. Oh putain. Alors, non, mais attends, il disait que traverser le quartier pour aller choper le mec qui est en bagnole, qui a fait le tour du quartier, c'est pas possible. Par contre, t'as la plaque de verre qui se trimballe quand même. Hein. C'est ça. Et juste une question, est-ce qu'il y a le coup du camion rempli de bonbonnes d'eau? Je dis pas. Alors, est-ce qu'il y a le camion Je garde quand même un petit peu de surprise pour les poursuites. Hein. Ouais. Alors, attends, est-ce qu'il y a le camion rempli de fumier? Pareil, je garde des trucs pour les poursuites, sachant que c'est des indications libres à moi de les modifier. C'est-à-dire que je pense que au fur et à mesure de la campagne, si vous tombez souvent sur le même crash test, je le modifierai pour que ça soit à peu près les mêmes conséquences, mais pas la même texte. Au bout d'un moment, on va aller à force de rencontrer toujours le même fabricant de glace, on va aller dans l'usine et flinguer tout le monde. Comme ça, on est sûr qu'ils livreront plus, toi. Dernière partie des règles. Enfin, il y a des règles avec les dés, parce qu'après, il y a l'adrénaline, l'ancienneté et le partenariat. On va parler rapidement des interactions sociales, et particulièrement des techniques d'interrogatoire. Les points, ça compte? Comment ça? Les points... Non, clairement pas. Ah. C'est interdit, même. C'est pas drôle. Donc, de base, votre personnage... De base, votre personnage a une façon d'interroger qui lui est propre... Et un choix entre l'éloquence, l'intimidation et la rhétorique. Chacun d'entre vous a choisi une de ces trois voies. Éloquence. Voilà. Rhétorique. Intimidation. Donc, alors. Interaction sociale. La taille et le poids de mon perso, hein. Tu vas comprendre pourquoi j'ai pris rhétorique. Alors. Je lis exactement. Donc, ça moi, j'ai pris intimidation. Il se déroule en 4 parties. La première partie, c'est la rencontre et le premier contact, ou appelé aussi l'évaluation psychologique. Ça va être en fait la façon dont vous vous comportez et dont l'autre se comporte. Ça sera majoritairement en roleplay, mais ça peut se faire aussi avec les compétences psychologie, perception et vos valeurs aussi en charme, éducation et autres. Ça va dépendre de la façon complètement dont vous vous comportez. Et ça, je pense que ce sera énormément de roleplay plus qu'autre chose. Après, donc, et ça vous permet aussi des fois, cette partie, en fait, vous permet aussi de savoir où appuyer, où ça fait mal avec la personne en face, avec pour un interrogatoire. Points. Donc en quoi les points, c'est autorisé? Non. Ah, où ça fait mal? Oui, j'ai compris, mais non. pour un interrogatoire, vous avez 5 manières de le faire.
quelle que soit la façon, votre technique. C'est agressif, inquisiteur, froid et détaché, poli ou amical. Chacun d'entre vous a sa technique. Par exemple, si je prends au pif intimidation agressif, hein, parce qu'il y en a qui ont l'air d'être intéressés. Donc le concept étant l'interrogateur principal tente de rabaisser son interlocuteur, ne lui laisse pas le temps de répondre ou de se défendre. Il le noie sous un flot de paroles, d'accusations, de questions, cherche à faire paniquer son interlocuteur. Donc l'interrogateur cherche à le pousser et à se trahir lui-même. Alors, il y a un exemple. Exemple, en passant des photos d'une femme massacrée devant le suspect, l'interrogateur commence son ordre. Alors, comme ça, on poignarde sa femme. Tu sais que des types comme toi, j'en ai rencontré plein, et j'adore me les presser jusqu'à qu'ils éclatent trop comme des fruits mûrs. Tu vas rapidement me dire ce que je veux entendre, sans essayer de la jouer au plus fin avec moi, sinon ça va mal se passer. Attends, laisse-moi deviner. Je parie que tu l'as égorgé, juste parce que t'étais incapable de bander, et ça t'a rendu fou. Ça fait très inspecteur Harry, ça. Oui, bah... Ouais. Intimidation agressive, quoi. Bah, Harry, quoi. Voilà. Donc chaque truc a sa façon d'interroger. Alors, on pourra très bien le faire autant en roleplay que en pur jet. Ça va dépendre de vous et de la façon dont vous avez envie de le faire. Et aussi du temps qu'on a, pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les PNJ que j'ai, ont des valeurs qui vont de moins 2 à plus 2 dans agressif, inquisiteur, froid, détaché, poli. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont les braquer. De la même façon, il y a certaines choses, ils ont des choses, si vous leur dites, ils appellent ça, comment déjà dans le jeu, c'est... Tuk-tuk. C'est affinité et déficience. Il y a des choses que vous pouvez leur dire qui vont pouvoir peut-être même les convaincre directement, voire carrément les bloquer. Votre attitude en roleplay peut complètement braquer un suspect ou quelqu'un qu'on interroge, ou voire même le délier complètement la langue. Vous avez trouvé les bons mots au bon moment, exactement ce qu'il fallait dire, et le mec il va vous raconter toute sa vie. C'est cool. Voilà. Pas toute sa vie, je suis fier à vous. Donc, si vous faites des jets d'interrogatoire, une marge de 0, ça veut dire que vous avez des informations essentielles pour la suite du scénario, normalement. Une marge de 1, des informations annexes qui permettent d'estoffer un dossier d'avoir des pistes pour de nouvelles preuves ou d'autres témoins. Marge de 2, c'est des informations utiles qui peuvent consolider un dossier par l'apport de preuves et d'un témoignage fiable. Et 3+, des informations particulièrement pertinentes permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives, à savoir solidifier un dossier devant un grand jury. En gros, plus vous arrivez à le faire cracher au bassinet, mieux c'est. Oui, parce que c'est plus le... C'est plus le... Vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous direz... Alors, ça, c'est la procédure. La procédure, c'est autre chose. Quand tu dois arrêter quelqu'un, soit parce que tu as le mandat pour l'arrêter, parce que tu ne peux pas arrêter quelqu'un comme ça, en disant « Tiens, toi, tu me le pas, allez hop, au poste !» Ça marche pas. T'as deux façons d'arrêter. Soit c'est le flagrant délit. Flagrant délit, bah oui, clairement, hein, tu l'arrêtes. Enfin, faut d'abord l'appréhender. Hein. Et après, il faut avoir une ordonnance du juge, en fait, pour arrêter quelqu'un. Ou du substitut du procureur, dans le cas présent, souvent. Non, en fait, c'est le substitut. Et à ce moment-là, tu peux arrêter quelqu'un. Et quand tu arrêtes quelqu'un, tu lui dis ses droits. Loi Miranda, il faut lui dire tous ses droits. Sinon, vice de procédure, et l'avocat le fait libérer. Et tout ça n'a servi à rien. Procédure. Tu nous les as donné les trucs justement. Alors alors clairement je vous la procédure. Ouais, je la donnerai le texte exact. Il y a pas de souci de ce côté. Moi je l'adore ce texte. Est-ce que tu admets qu'en RP on lise je lis ses droits. Enfin, qu'on est ah oui complètement. Je lui lis ses droits, ça me va. Par contre si vous avez oublié de me dire je lui lis ses droits ou le texte. C'est dans le cul, Lulu, hein. On a combien de temps pour lui lire ses droits, quoi? Bah, normalement, c'est quasiment au moment où tu mets ses menottes. Ouais, sauf cas de force majeure, je sais pas, par exemple, t'es sous le feu d'un gang, t'arrêtes un mec, tu lui mets les menottes, ça va être quand tu vas le mettre dans la voiture, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que t'as le droit de lui dire plusieurs fois, au cas où? Oui, si t'as envie, mais...
Mais voilà. Fais gaffe, rappelle... s'il a un bon avocat, il peut aussi dire que c'est de la violence policière. Mais oui, tu peux lire ses droits. Et dans ses droits, il y a le droit de garder le silence. Hein. Donc il peut fermer sa gueule. Ouais. Donc, tac. Il manque un dernier truc dans les... Réunion, non ? Ouais, c'est ça. C'est les... Vous avez des points d'ancienneté ou d'adrénaline. Ces points, pour l'adrénaline, ça permet de rajouter un dé supplémentaire avant de lancer un jet. Vous dites, j'utilise mon point d'adrénaline, hop, vous rajoutez un dé. Ça marche pas. Poursuite, alors. Ah bah de toute façon, hein, ça, alors je reviens après pour la recharge. D'abord je finis juste les deux, parce que les deux se rechargent de la même manière. Le point d'ancienneté, ça vous permet de transformer un échec en une réussite de zéro. Vous n'aurez pas de marge de réussite, mais vous transformez votre échec en une réussite de zéro. Ça t'évite de prendre un dé noir dans une poursuite ou pas? Bah en fait, si le dé noir il est, je veux dire, c'est pas marqué. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Par contre, il est possible de dépenser de 1 à plusieurs points d'ancienneté pour la même action. Mais du coup, vous savez de toute façon à qui il faut faire confiance pour pouvoir. Donc, on récupère un point d'ancienneté ou d'adrénaline par nuit de repos. Voilà. C'est un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle, on dort jamais. Eh bah, si tu dors pas, tu vas avoir des problèmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'était comme à l'époque où je jouais, de toute façon, on va dormir dans une auberge, on va forcément se faire voler. Si on dort dans la campagne, on va forcément avoir un truc de rencontre. Alors, juste vite fait, j'explique pour ça. Le concept, c'est que tu joues des flics payés par l'État, donc ça veut dire que tu as des horaires fixes. Enfin, non, fixe, c'est un bien gros mot, COPS. Oui, fixe, hein. Techniquement. Après, voilà. Pour résoudre les enquêtes, majoritairement, vous allez faire des heures sup qui ne seront pas payées. Voilà. Enfin, si vous voulez résoudre les enquêtes. Mais c'est préférable pour une campagne, hein. Je vous le dis. Le truc, c'est... chef, on va devoir faire des affaires, on va devoir faire des heures sup. Ok. Ouais, elles seront pas payées. Dernière chose, les partenariats. Pour l'instant, il y a un seul partenariat qui est défini de base, qui est Obi-Tlon. Parce que, on va voir pour le partenariat Kevin, Sib ou... Donc, Kevin, Lingré et Guillermo. Qui est exactement, ça sert à quoi le partenariat? Ça fait que vous pouvez donner un point d'ancienneté ou d'adrénaline une fois par tour à votre partenaire s'il en a besoin. Il faut par contre avoir le partenaire de visu ou du moins pouvoir lui parler. Oui, c'est bien dans une voiture. Ton coéquipier, voilà. C'est ton coéquipier, donc vous pouvez vous soutenir. Voilà. Ouais, okay. Par contre, vos partenaires, je vais les définir au départ. Pour changer de partenaire, ça coûte de l'XP. Pour avoir cet avantage, c'est un avantage qui est payant en XP normalement. Voilà. Alors, une question con, ouais. Qui n'a pas été abordée, le dé bleu. Alors, le dé bleu, pour le coup, c'est un dé qui se rajoute aux autres en fait. Bleu. Tout simplement. D'accord. C'est quoi c'est, il est mis à côté. C'est dans certains stages, tu récupères un dé, souvent c'est parce que tu récupères un dé de plus en fait. Oh oui, d'accord. Non, mais voilà. Et en fait, il l'appelle le dé bleu, mais ça pas spécialement de. Enfin, j'ai essayé de le retrouver justement, j'ai cherché aujourd'hui. Et tout ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, c'est pour le symboliser que c'est un dé en plus des caracs. Voilà. Du coup, en fait, les points d'adrénaline et d'ancienneté, on peut les utiliser en poursuite aussi. Normalement, oui. Mais il devrait d'accord. Pas avoir de soucis là-dessus. Ouais, c'est tant que c'est un jet de compétence, en gros. C'est pas un jet de compétent, ouais, c'est... en fait c'est tant que c'est un jet, parce qu'il dit, je sais pas, attends. Tant que c'est un jet. C'est... Ah non, tu peux pas... Je lis, le personnage tente une action particulièrement spectaculaire ou cruciale dans l'aventure, il peut choisir de dépenser un point d'adrénaline avant de jeter les dés, ce qui lui donne droit à un jet supplémentaire, c'est-à-dire avant de jeter les dés, c'est même pas une action, c'est si tu jettes les dés. Tac. Bon, après si tu veux jeter un dé de plus sur le crash test, hein... Dis-moi toi. Le truc c'est que ça marche pour effectivement les tests, ça marche pas pour les dégâts. Hein. C'est pas moi c'est marqué juste un point d'adrénaline avant de jeter les dés
et il a le droit à lancer un dé supplémentaire. C'est à aucun moment, ils disent que c'est pas pour les dégâts. Ouais, me semble-t-il, enfin bon, je me trompe peut-être. Bah, je te dis, hein. Oui, non, mais. C'est peut-être marqué dans les dégâts, par contre, que. Je sais pas. Faudra que je vérifie, mais bon. De base, pour l'instant, voilà à quoi sert la compétence. À savoir, juste une chose. Par rapport à encore la poursuite, un véhicule a entre 4 et 10 points de structure, ce sont ses points de vie, et à partir d'un certain nombre de points de vie en moins, il s'arrête. Et à chaque impact de véhicule, il y a une table d'impact qui va de aucun effet, la balle ricoche, à babal magique, l'explosion du véhicule. Ah ouais. Bon, il faut faire 15 de. Il faut réussir à un 15 de réussite. Sur un dé cumulé. Sur un des 10. Hein. Il faut faire 15. Bonne chance. Je crois qu'il a raccroché. Non. Je suis toujours là. Un drôle de bruit, hein. Je suis en train de me déplacer en fait. Hop là. Partie système, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, on en reverra en cours. Pour le moment, ça va. Écoute, pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? J'ai fait le tour un peu BG. J'ai fait le tour du système. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? C'est quoi le dernier truc? Il y avait 3 points, c'est quoi le troisième point? Ah oui, campagne! La campagne en elle-même. La campagne fait une trentaine de scénarios. Elle est divisée en 3 saisons. Pour l'instant, moi, à titre personnel, j'ai lu les 3/4 de la première saison. Je continue de la lire en même temps que je vais faire jouer. Les scénarios sont difficiles. Je vous le cache pas, c'est clairement... faut que les joueurs se bougent le fion, réfléchissent et n'abandonnent pas pour réussir la campagne. Réfléchir quoi? Hein? Réfléchir quoi? Réfléchir. C'est un truc. Ah bon. Donc, le but est de survivre au premier scénario, c'est ça? Non, le, alors, le problème n'est pas la survie en elle-même, clairement, non, c'est pas le plus gros problème, ça peut être un moment, ça peut devenir un problème, mais le plus gros problème en fait c'est de résoudre les enquêtes. C'est-à-dire que les enquêtes sont difficiles, ils ont essayé de simuler réellement des enquêtes policières où tu n'as pas forcément énormément de preuves, énormément de choses pour avancer. Et il faut réussir à suivre une piste. Voire plusieurs pistes, parce qu'il y a aussi des fausses pistes, hein. Sinon c'est pas drôle, hein. Et ça demande beaucoup d'implication, entre guillemets, intellectuelle, pour les réussir. Faut avoir des idées. Des fois, faut attendre des événements, hein, parce que ça arrive, hein. L'exemple le plus classique que j'ai donné ces derniers jours, c'était le tueur en série. Vous avez 2, 3, 4 victimes, vous avez pas mal quelques trucs, mais bizarrement, c'est à la 5e victime que vous aurez des preuves supplémentaires qui vont permettre d'étayer votre dossier ou de trouver d'autres pistes. Des fois, c'est la campagne est scriptée par jour. D'ailleurs, oui. J'ai un calendrier avec les événements qui vont se passer à chaque jour. Voilà. Ouais, mais attends. Si par exemple, un certain jour, avec un grand esprit de déduction, on arrive à trouver le meurtrier avant. Ah bah c'est cool! C'est-à-dire que vous empêchez une autre personne par exemple de mourir, si c'est un. Oui. C'est possible! Alors là, vous abordez un sujet que Tlon va trouver assez rageant. Quoi, l'esprit de déduction? On était à ça de le sauver, le gamin. Dans quoi tu parles? Rien, c'est un private joke. Non, moi j'ai. Dans tous les cas, même si c'est de la privée de la même je façon, comprends le truc. Il y a beaucoup de choses qui, en termes d'événements qui sont scriptés. Maintenant, c'est le script si vous réussissez pas, hein, majoritairement. Je parle pour certains scénarios, c'est. Dans la continuité du scénario, c'est si vous n'avancez pas assez vite. Après, il y a. La campagne part du principe que vous réussissez la majorité des enquêtes. Parce que clairement, vous pouvez échouer des enquêtes. Voire, vous pouvez rien trouver. Parce que pour l'instant, il n'y a rien à trouver. Parce que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Parce que vous n'avez pas interrogé le bon témoin ou le bon indice. Parce qu'on a fait que des jets de dés pourris.
Dans tous les cas, la question qui se pose derrière ça... Là, c'est vraiment dans la voiture avec toi, ouais. On essaie d'arriver sur la scène de crime, c'est con. Voilà. Dans tous les cas, la question qui se pose, en fait... J'ai confiance, j'ai confiance. C'est, est-ce que je garde la difficulté telle quelle des scénarios, ou est-ce que je la simplifie? Alors, je refuse de l'augmenter, la difficulté, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais moi, je serais d'avis que on garde la difficulté telle qu'elle est, et que si jamais, vraiment, on voit qu'on patauge, que tu revois peut-être la difficulté à la baisse, si jamais vraiment on patauge. Et juste pour, à titre perso, moi, pareil, hein, je suis pour garder la difficulté, parce que je pars du principe que COPS, normalement, c'est quand même un jeu où tu joues... C'est proche de la simulation de flic, et donc je pars du principe que les enquêtes doivent pas être faciles. Maintenant, si vous voulez descendre la difficulté, bah je la descendrai. Déjà, je pense qu'on faut tester comme la difficulté est actuellement. Et puis si on n'y arrive vraiment pas, voilà. Oui bah. Non. Si on n'y arrivera pas, moi je vous fais virer. Hein. Non mais moi je prédicterais... On va être clair, hein. Attends, je vous fais virer du COPS, hein. Voilà. Tu fais virer le meilleur pilote du COPS? Non, mais le meilleur chauffeur? Je paniquerais quand vraiment je serais à court d'idées. Ou avec toi en voiture. Ah mais de toute façon c'est Obi qui est en voiture avec toi, donc m'en fous. Moi je suis avec Wade. Tu vois les mecs là, tu vois? Non, enfin, clairement! Mais sinon, vous pouvez utiliser le nom des persos, hein, c'est sympa aussi, mais. Ouais, mais justement, je suis avec Wedge. Bah voilà! Mais il a pas donné un nom à ce perso pour l'instant? Non, pas encore. Wedge, okay. Ça va rester sur le pseudo en fait. Ok, bon, moi ça me gêne pas. Moi oui, mais. Parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, c'est ça? Ah, si tu veux, j'ai un générateur de noms, hein. Moi, c'est... Non, que non. Ça. Tu veux Walt Disney? Non, mais enfin, de toute façon, t'as l'enquête, t'as ceux qui vont faire l'enquête, et puis t'as ceux qui seront à l'hôpital avec Tlon, et de toute façon, voilà. Dans tous les cas, donc je vais garder la difficulté. Avec Guillermo. Guillermo. Oui, c'est moi, Guillermo. Bah, pour Guillermo fois, et donc. Lynn. Qui vont être à l'hôpital. Oui. Non, mais moi ça va, les problèmes glissent sur moi tel un sumo huilé sur les dents de soie, tu sais. Oui, je sais, j'aime toujours pas cette image. Dans tous les cas, donc en termes de difficulté, donc je garde la même. En termes de jeu, ce qui va se passer, c'est que comme le système n'est pas forcément des plus simples, les premières séances vont être purement des séances de prise en main à la fois du système et du quotidien des cops. C'est-à-dire, pour le coup, des enquêtes qui sont plutôt de mon cru, des interventions d'urgence, pour prendre vraiment en main le système. C'est-à-dire, je vais essayer de recréer des situations pour qu'on puisse utiliser chacune des morceaux du système. L'intérêt, c'est que quand on commence la campagne, on ait plutôt une bonne maîtrise du système et une bonne partie du BG déjà de COPS. Est-ce qu'il va falloir encore aller sauver le singe de Madame Lepech? Non. D'accord. Mais il peut avoir encore des histoires avec des singes. Hop! Donc, de ce côté-là, voilà, c'est pour vous expliquer les premières séances, ça va être quoi? Ça va être la vie du flic de tous les jours. En gros. En termes de scénario, une fois qu'on aura passé ces premières séances, je partirai sur le scénario de base du bouquin, donc le pilote. J'enchaînerai sur le scénario de l'écran, qui est censé être le film, parce qu'il se déroule dans la même période, à savoir le mois de juin 2030. Et après, j'enchaîne avec l'ensemble des scénarios de la campagne, donc jusqu'en juin 2031. Ouais. À ça, j'essaierai donc de rajouter au milieu la flopée de PNJ que j'aide sur un tableau, là. Hein. Les 10-18. Alors, les 10-18, c'est en gros, au milieu de vos enquêtes et autres, vous allez être appelés en urgence, parce que vous êtes des flics en faction. Et sauf indication contraire de votre chef, vous êtes obligé d'intervenir. Il y a quelques scénarios où votre chef vous dispense d'intervention d'urgence. Attends, un 10-18. T'as ton temps de service encore.
Oui, oui, non, je sais, mais un 10-18, c'est des lieux, en fait. C'est quoi? Des lieux. Selon la référence d'appel code de procédure et signaux radio de la LPD. Alors. Code radio. Touk-touk-touk, 10-18. Je sais pas si... c'est pas celui-là. Il était mis où? Parce que y a... je sais plus. Urgent. Sur les codes 10. Ah, en page 2. Ouais, normalement c'est... Attends, parce que je suis pas sur le bon... Moi j'en ai beaucoup. Ah oui, que... moi... Ah oui, d'accord, ok, non, c'est bon. Oui, oui, 10-18, ce sont les urgences. Ok, d'accord, non, ouais, c'est bon, je l'ai eu. Tu vas lire le truc, parce que tu vas voir que... c'est... Il y en a tellement à retenir. Faut le lire et plusieurs fois essayer avant de comprendre comment ça marche. Ah, tiens, il y a le truc pour Coutelon, le 1-11-25-X. Assistance. Voilà. Ou, attends, tiens, conduct 10-55. Conducteur ivre, drogué ou empoisonné. Bah, facile à 3D noir, à mon avis, il risque surtout d'avoir de souffrir de saturnisme parce que je pense que Lynn l'aura descendu avant. Donc, de ce côté-là, voilà. Pour donc voilà à peu près comment on s'organisera. Clairement, les scénarios d'enquête seront vraiment... J'essaierai de les rythmer avec ces 10-18. J'essaierai d'en caser un par séance. Les 10-18 peuvent donner juste à de pures interventions. Je vais aider les pompiers parce qu'il y a un feu et qu'il faut évacuer des gens, à une réelle enquête parallèle à toutes les autres enquêtes que vous avez en cours. Le concept étant majoritairement sur la police, c'est le premier arrivé qui hérite de l'enquête. Donc faut aller très lentement. Trop, non, faut pas aller très lentement, c'est une intervention d'urgence. Mais en gros, voilà. Majoritairement, c'est le premier arrivé qui hérite de l'enquête. Et chaque enquête a un premier détective, c'est-à-dire une personne qui est en charge des rapports. Et des contacts avec la hiérarchie sur cette enquête. Majoritairement, votre chef vous demandera le premier détective sur les enquêtes importantes. Sur les enquêtes mineures, c'est à vous de le déterminer entre vous et de le mettre sur les papiers. En même temps, c'est pas de ma faute si la voiture elle a pas de frein. Un quart du boulot de COPS, c'est de remplir la paperasse. Alors, ah bon, c'est que ça se limitera à des jets de dés. Hein. Un peu de roleplay et des jets de dés. Mais, remplir quoi voilà. Allô? Remplir quoi? Non, j'ai dit remplir quoi? La paperasse, des papiers. La pas quoi? C'est parce que t'as pas encore fait ta formation, mais bientôt tu sauras. Ah, d'accord. Tu veux pas me dire. Mais de toute façon, t'auras bureaucratie, hein, comme tout le monde. Hein. Bureaucratie, quoi? Tu veux pas me dire qu'en 2030, on est pas. Non, pas forcément. Enfin, non. Pas beaucoup. Non, c'est quoi. Vrai, des fois tu écris sur des écrans d'ordinateur. Majoritairement, ouais. C'est tu tapes à l'ordinateur. Tout est archivé dans les sous-sols du LPD sous forme de microfilm. Génial, hein. Attends, oublie pas, tu tapes ton rapport avec les deux index. Ah, tu utilises les deux, toi? C'est pas comme ça que ça marche dans la police. Donc, de base, tous les rapports, tous les fichages sont doublés dans des archives physiques. Une question comme ça aux autres joueurs. Hein. Y en a un qui est fort en bureaucratie? Oui, je suis très fort en bureaucratie. D'accord, ok, vous donnez tous les papiers, monsieur. Je suis fort en conduite. Attends, j'ai stage de cette procédure interne. Merci, Tlon. Je peux utiliser ma compétence de charme à 4 avec la bureaucratie, j'ai 6 en bureaucratie. Ça dépend ce que tu veux faire en bureaucratie, si pour utiliser ta compétence de charme. Parce que devant un écran d'ordinateur, t'as beau essayer, il a pas l'air de beaucoup réagir. S'il te plaît. C'est quoi, j'ai fait une procédure interne. Ça peut servir si c'est pour faire du gringue à la nana des RH ou des promotions ou des stages, mais sinon, pas vraiment. Pourquoi c'est forcément une nana au stage? Ça peut être un mec, hein. Oui, bah hein, il peut faire ce qu'il veut, hein. C'est non, 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 mais attends, charme, c'est plus la capacité, c'est pas forcément la charme dans le sens de draguer, hein. Oui, non, mais...
Bon. Ah, mais en fait, ça va être le duo de charme, nous deux, alors. Bah, j'ai 4 en charme et 6 en bureaucratie, donc à l'intérieur du truc, je suis tranquille. Hein. Alors, okay. J'ai pas 6 en deux, mais j'ai 6 en psycho. Moi, j'ai 6 en bureaucratie. Et les concours de bites, c'est fini? Ouais, ah non, attends, attends, on apprend à se connaître, on va. Non mais vous apprendrez à vous connaître en RP, ça sera cool. Genre en jeu. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu es éloquent? Ah ouais. Alors. Moi j'ai déjà trouvé mon surnom. Dernier point. Ah, j'ai pas entendu, t'as dit quoi là? J'ai déjà trouvé mon surnom, on va m'appeler Breaks. Non, c'est pas toi qui choisis ton surnom, normalement. Mais justement, j'ai pas besoin de le choisir, mon avis. Ah oui, c'est vrai qu'au début, on le choisit pas, c'est au fur et à mesure que... Deadbreaker, c'est vos collègues plutôt, mais... on sait pourquoi Lynn s'appelle Headshot. Ouais. Vous le savez. Rick et Wedge le savent pas. Encore. Dans tous les cas, dernier point, le nerf de la guerre, l'XP. Ah, je croyais que c'était le pognon. Non, aussi, mais le pognon, j'ai déjà calculé avec chacun d'entre vous et vous vous démerdez. Et puis, c'est le nerf de la guerre, a priori, que pour deux personnes. Je vois pas pourquoi. Donc, alors l'XP. De base, vous gagnez en fait entre 3 et 7 points d'XP par 4 heures de jeu, mais seulement donné à la fin d'une enquête. Ah, donc voilà. Donc on a intérêt à faire traîner les séances, en fait. Alors, je te le déconseille. Parce que c'est moi qui vais te pourrir. Hein, ça arrive très lentement pour le code 10-18. Je suis rodé pour ça. Alors, si vous jouez la montre, de toute façon, moi je vais jouer le temps qui passe et le fait que l'enquête vous échappe de plus en plus. Donc si vous n'arrivez pas à conclure l'enquête, vous n'avez pas d'XP, alors... On va faire un 10-50. Mais attends, si on fait que du RP pendant 4 heures, il va se passer 4 heures en fait. Dans tous les cas, donc vous gagnez normalement entre 3 et 7 points d'XP normalement par 4 heures de jeu, dit par séance. Donc en gros, moi j'ai calculé par séance en fait. C'est-à-dire une enquête, je vais compter le nombre de séances qu'elle fait et je vais multiplier par entre 3 et 7, suivant en fait la difficulté de l'enquête. Clairement. Le code, c'est 1085. Sachant que vous avez des enquêtes en parallèle. Ouais. C'est-à-dire que si vous menez, plus vous menez d'enquêtes, plus vous engrangez. Bon, par contre, si vous commencez une enquête au premier scénario et que vous la finissez au dixième, je vais pas compter 10 séances. Hein, c'est 10 séances actives sur l'enquête. Hein. Pas déconner non plus. Et alors, si jamais je remets à jour, si je fais, tu sais, comme dans les procédures policières... Tu remets à jour la carte. Je remets à jour la procédure. Oui, mais t'auras toujours pas enquêté, donc... Ah, je fais des entrées, c'est marqué. Oui, alors, l'XP, c'est le MJ, hein, donc le... Donc bon... Ouais, paperasse, hein. Oui, mais je m'en fous de la paperasse, c'est du hors-jeu. Mais c'est moi le spécialiste des rapports. Dans tous les cas, comment ça se dépense? Titre. Alors, comment ça se dépense exactement? Pour augmenter d'un point, par exemple, ses caractéristiques. Sachant qu'on peut pas aller au-delà de 5, quand même. Hein. C'est la valeur de votre caractéristique actuelle x 6. Donc, pour passer de 4 à 5, il faut 24. Voilà. Ça fait à peu près 200 pages de rapport. On va le compter en ramettes de papier, t'as raison. Donc pour les compétences, pour descendre d'un point les compétences, sachant qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous de 2, donc c'est 10 moins votre niveau actuel x 2. Donc pour passer de 6 à 5, c'est 10 moins 6, ça fait 4 x 2, 8. Voilà. Ah, ça va. Pour acquérir une nouvelle compétence à 9+, que vous n'avez pas, c'est 5 points d'XP. D'accord. Et pour faire descendre, quand on a une spécialisation... J'y arrive. Dans le cas des spécialisations, il y a un moment en fait dans chacune des compétences où tu es obligé de te spécialiser dans certaines compétences. Ça peut être dès le début, comme ça peut être arrivé très loin. Je crois pour, par exemple, je crois les armes à feu, les armes, c'est au niveau de 6 ou au niveau, ça va dépendre en fait. Mais à partir du moment où tu descends dans une spécialisation, tu payes la même chose. Par contre, si tu prends une nouvelle spécialisation, tu repars au niveau où tu devais prendre une spécialisation. D'accord. Voilà.
Et de la même façon, si tu te bats avec une arme, par exemple, si c'est une arme d'épaule, tu te bats avec une arme où t'as pas la spécialisation, tu restes au niveau où tu devais prendre la spécialisation. Avec, cette, avec l'arme que, qui est pas à ta spé, en fait. Voilà. Les points d'adrénaline, tu peux gagner un point d'adrénaline en plus contre 15 points d'XP. Pareil pour l'ancienneté, 15 points d'XP. Par contre, votre total adrénaline plus ancienneté, ça peut pas être au-delà de 5. D'accord. Bon, on arrive au stage. On récupère les points d'ancienneté de, d'adrénaline par jour, non, après une nuit de sommeil. Ouais, un par jour. Au choix, celui que tu veux, mais un par jour. Un par jour. Enfin, un par nuit de sommeil, exactement. Ouais. Enfin, par sommeil. Donc ça veut dire que si tu es de service de nuit, ça sera le matin quand tu vas dormir en revenant du service de nuit. Qu'est-ce que tu qualifies de nuit de sommeil ? 6 à 8 heures. Ah vache ! Sachant que alors là je les ai pas sous les yeux, mais il y a des malus si vous ne dormez pas plus de tant d'heures, si vous dormez pas assez. Hein. Oh la vache, 6 à 8 heures. Hey, t'es un flic, hein, tu bouges tous les jours, hein, t'as intérêt à dormir aussi. Hein. Bon, stage. Les stages niveau 1 coûtent 10 points d'XP, les stages niveau 2 coûtent 15, les niveaux 3 coûtent 20. Ça, c'est ce que ça coûte, mais avant de pouvoir les payer, il faut les obtenir. Et on en vient à comment on obtient un stage. Faut sucer. Pas que. J'ai le stage. Non, mais ça, alors, sucer, alors le concept de sucer pour avoir un stage, c'est pour avoir un stage en particulier qu'il faut sucer. Et particulièrement un stage rare, en fait. Donc, à chaque fin de scénario, et je dis bien de scénario, ce qui est différent à chaque fin d'enquête. À savoir que certains scénarios font plusieurs enquêtes. Donc, à chaque fin de scénario, c'est le moment où les joueurs peuvent dépenser leurs points d'XP. Donc, on verra si ça fait une enquête ou un scénario. Enfin, je vous dirai quand vous pouvez dépenser vos points d'XP. Et à ce moment-là, je vais vous octroyer un certain nombre de points de stage. Ces points de stage sont attribués au groupe. Ensuite, c'est à vous de décider à qui vous donnez les stages, en fait. En prenant en compte trois paramètres. À savoir que je peux décider, moi, meneur de jeu, de bloquer certains stages. Les rendre inaccessibles, parce que restrictions budgétaires, parce que politique interne, parce que vous êtes moche, parce que ce que je veux. Ensuite, parce que les joueurs vont casser les couilles en faisant traîner le scénario pendant trois plombes. C'est là voilà. Que je suis, c'est important en fait. Ensuite, les stages gagnés à la fin de l'aventure ne peuvent pas être cumulés. À la fin de l'aventure ne peuvent pas être cumulés. C'est-à-dire, c'est à savoir, en fait, quand vous les avez, vous devez les prendre. Si vous les prenez pas, c'est perdu. C'est tant pis pour vous. Ah oui, oui, on peut pas les cumuler. Attends, voilà. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si on n'a pas assez d'XP parmi nous pour prendre le stage... Eh ben, il faudra attendre d'en avoir des nouveaux. Mais je pense que... de toute façon, vous dépensez de l'XP en même temps que vous choisissez vos stages. Donc voilà, c'est un choix en fait de dépenses. Ouais, mais du coup, si on peut pas les accumuler, c'est con, parce que du coup... Oui, pas... mais c'est, pour le coup, c'est la règle du truc, hein. Bah, c'est parce qu'en fait, un stage qui commence, si tu l'as loupé, t'attendras la prochaine session du stage. C'est ça, en fait. Oui, non, mais y'a pas de problème. Après. Dernier truc, enfin, le même personnage ne peut bénéficier que d'un seul stage à l'issue d'une aventure. En aucun cas, il peut participer à deux stages après un scénario. La durée du stage dure une semaine. Donc, dans laquelle vous continuez à percevoir votre salaire, raison de 8 heures par jour. Donc, et c'est marqué, à moins d'un événement particulier, le personnage en stage ne peut plus participer à la vie normale du commissariat, et donc ne peut pas débuter un nouveau scénario pendant cette période. Ah ouais. Alors, sachant que je m'arrangerai, majoritairement, pour vous prévoir des moments où vous avez la possibilité de partir en stage, hein, sans problème. Sans, je crois que de toute façon, en fait, pendant que t'es en stage, tu fais plus d'urgence qu'en fait. Mais tu fais plus d'urgence, tu fais en parallèle. Mais tu fais plus d'enquête aussi, normalement. Si tu fais 8 heures de stage par jour, ça te laisse encore 8 heures si tu veux. Oui, mais c'est sur ton temps libre, à toi perso. Oui, on est bien d'accord. Voilà. ça remplace ton temps de service. Ouais. Mais ça veut dire tu auras pas d'enquête qui te sera attribuée. C'est-à-dire que officiellement, ouais. Du point de vue de l'administration, tu es en stage.
Après, si tu veux mener tes enquêtes de ton côté, tu peux, mais t'es en stage. Et si tu te pointes, ton chef va te remonter les bretelles. En disant, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça va faire des copains. Donc, un stage de niveau 1 coûte 1 point de stage, un stage de niveau 2 coûte 2 points de stage, un stage de niveau 3 coûte 4 points de stage. Plus l'XP dit tout à l'heure, à savoir 10, 15, 20. Et c'est l'XP du joueur qui part en stage, hein, pas ceux de ses copains. Certaines rumeurs au sein du LAPD parlent de mythique stage de niveau 4, inaccessible aux flics d'élite mais et aux plus pistonnés du département de la police. Mais il s'agit de rumeurs. Sûrement, d'ailleurs. Non, mais si, il veut le découvrir. Bah ouais. Mon Dieu. Un jour, voilà. Après, certains stages peuvent se cumuler. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs fois le même stage sur plusieurs trucs. D'autres sont uniques. Interrogatoire, par exemple, que tu peux faire sur rhétorique, éloquence ou intimidation. Par exemple. Ils sont uniques ou ils sont vareuses? Et chaque stage a des prérequis. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre un stage, je sais pas, par exemple, en criminalistique, si vous avez que de chi en scène de crime. C'est pas possible, on vous laissera pas faire. Une bonne partie des stages se font dans les locaux même du LAPD. Donc si dans le cas où, qu'est-ce que tu fous là? Eh, je suis en stage, je suis juste passé à mon bureau. Pour goûter le café, tout le monde adore le café du bureau. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas de machine à café, à part votre chef qui a un percolateur dans son bureau. Donc, si tu veux aller piquer du café à ton chef, t'as intérêt à l'avoir à la bonne. Hein. Y a pas de machine à café dans les couloirs? C'est interdit. Dans les autres étages, je sais pas. Mais à l'étage du coffre, pour l'instant, il y en a pas. Ou du moins, il y en a plus de qui marchent. Tandis qu'il y en avait, hein, mais il y en a plus qui marchent. Il va falloir faire une mission radia sur le café. Voilà. Est-ce que ça va pour tout ce qui est système, campagne et autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? S'il n'y a rien d'autre, moi, je veux bien commencer une petite intro. Moi, je voulais faire juste une présentation des personnages, histoire que qu'on fasse un petit peu en affaire. Celui de Wedge qu'on ne connaît pas encore, parce que je n'ai pas fait ses stats, ces trucs, mais on le fera la semaine prochaine pour celui de Wedge. S'il a une idée de concept, il peut juste décrire son concept, quoi. Bah Wedge, ouais, c'est un vampire, non? Tu veux faire les stats de Wedge? Oh putain. Je l'ai pas entendu trop de fois celle-là. Oui, mais bon, faut. Il y a un nouveau public, on a le droit de la ressortir. Wedge, c'est là? J'entends plus. Il y a plus ton micro. On l'a tué, là. Bon. Hobby, si tu veux commencer. Hein. Donc, moi, je joue Lingrey Reich. Alors comment je l'avais décrit déjà? Intellectuel et végétarienne, c'est ça non? Oui, un truc comme ça. Ouais, c'était fille à papa, mais pas trop, végétarienne et intellectuelle. Voilà, donc je suis issu d'une famille assez riche. Tac. Certains d'entre vous connaissent même mon père, qui est le patron du SWAT de Los Angeles. Assez jeune, elle est plutôt, on va dire entre guillemets, un peu bobo. Elle a quand même une culture et comment on appelle ça? Un bagage? Ouais, ça va être un truc comme ça. Orientée un peu, ouverte, on va dire, cultivée, intellectuelle, déjà dit. Et elle est blonde, elle mesure 1m74. Elle est fortiche en droit. Voilà, c'était ses études quand elle était jeune. Et voilà, elle est rentrée au COPS pour faire chier son papa. Pas que, mais en partie. Oui, parce qu'en fait, faut savoir un truc dans l'histoire quand même de COPS, c'est qu'il y a un passif SWAT COPS. Oui, et un passif après quasiment tous les services COPS aussi. C'est ça. Mais avec le SWAT, c'est encore plus particulier parce que vous avez la capacité de faire des interventions comme le SWAT. Pas autant de matériel quand même, mais d'assaut. Mais voilà. Oui. Le SWAT ne voit pas l'intérêt des COPS et tout, sur ça. Sachant qu'ils sont les stages juste en dessous de mémoire.
Ou je, au-dessus. J'ai pas les... le truc, il faudrait que je regarde les étages en parlant, mais bon. Dans tous les cas, bah, on va continuer avec... Je vais faire le lien. Ok, bah vas-y. Hein. Donc avec Rick Darcy. Rick Darcy, on va dire taille plutôt petite, châtain. Il est... Alors, il est plutôt lettré, hein. Il a fait des études sup, un peu fils à papa aussi. Des études de quoi? Alors, bah lui, c'est plutôt un lettré, hein. Donc on va dire que c'est plutôt aussi droit et compagnie. C'est un ancien du FBI. Oui. Alors, il a fait quelques années au FBI, exactement. C'est avant de avant la sécession, il est rentré. T'as dû faire 2 ans de FBI avant la sécession de la Californie. Ah, ouais, c'est un transfuge. Voilà. C'est un traître. Qui a la trentaine un peu passée, 35 ans. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si sa copine est Ange, tu sais, c'est à la radio. C'est une petite fille avec des couettes. Donc. Les radios de service, on utilise pas de. Oui, 10, 10, 10, la, la radio du LAPD, la radio, dans la radio, là, y a, les personnes qui parlent sont des anges. C'est comme ça qu'ils sont appelés par voilà. Les flics. Majoritairement, parce que c'est celles qui répondent quand vous êtes dans la merde. C'est le gars volé en fort. Hein. Donc, il s'y connaît très très bien en tout ce qui est bureaucratie et compagnie. Et c'est à peu près tout, un peu. Donc, il y a des contacts aussi dans la presse et tout. Enfin bref, c'est plutôt bobo, on va dire aussi. On va pas parler autre chose. Non. Allez, on va passer à. Bah, Fox d'abord. Alors, et après Guillermo. Fox, alias Danny. Danny Fox. Danny Fox. Alors, Danny Fox, c'est le produit d'une lignée de 4 générations de flics, tous au LAPD. 4 générations de flics tous au LAPD, voilà. Donc, sa mère avait d'autres ambitions pour lui, il a fait des études de psychologie, il a été aussi field linebacker de l'équipe de Stansted et a remporté le championnat universitaire. Et il s'est inscrit au COP, enfin il s'est inscrit à l'académie de police sans prévenir ses parents pour suivre les traces de son frère qui était rentré au COP et qui est décédé depuis. Voilà. Donc doctorant en psychologie et ancien joueur de football américain. Ok. Guillermo. Alors Guillermo Gonzalez. Juste quand même parce que j'ai un gabarit quand même. Je mesure 1m91 et je fais plus de 110 kilos. Voilà. Alors justement, Guillermo Gonzalez, c'est l'opposé physique du précédent. Je veux dire noir et rachitique. Non, il est plutôt petit et maigrelet. Mais c'est une caricature d'hispano. Il a les cheveux gras, il parle avec un accent à couper au couteau, il cause pas beaucoup, il manque toujours 99 cents pour faire un dollar. Et il gare très mal les voitures un peu partout, dans tous les sens, etc. C'est lié à notre test de poursuite ou c'est nouveau aussi. Parce que... Okay. Il conduit la méthode West Coast, quoi. Par contre, il adore customiser les voitures. Enfin bon, customiser, les améliorer. Il n'est pas dit que ça marche, mais il les améliore. Jackie. Customiser, tu veux dire casser? Ah, j'ai oublié de dire, la mienne, elle est un peu dans le même sens, mais pas pour les voitures, pour les armes à feu. Ok. Alors ouais, est-ce que t'as une idée de concept à peu près? Et puis de toute façon, on le fera après, on refera la présentation la semaine prochaine. Mais est-ce que t'as une idée de concept pour ton perso? Bah moi, c'était moi je vois le truc, il sort, il est sportif en fait, il sort de l'université sportive. Je crois que c'est ça. Bah possible, hein, ça il peut être sportif sans sortir de l'université. Hein. Oui, il a fait justement le truc. Voilà, il a fait le truc universitaire sportif.
Il était pas vraiment doué. Il était doué pour le sport, mais sans plus, quoi. Résultat des courses, il a fait, bah vas-y, utiliser ce que je sais, courir, machin, me battre, pour bien des gens qui m'entourent, et puis voilà. Quoi, c'est... Par vocation, quoi. La police par vocation, quoi. C'est ça, par okay. Limite par envie, en fait. Ah. Limite par envie. Donc, et puis, ben, c'est un bon pilote aussi. Sportif mécanique et sportif physique, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu comprends comme... Ah oui, c'est vrai, faut choisir un sport. Non, mais c'est pour ton BG plus que... Ouais, ouais, mais la lutte... C'est intéressant de le savoir. Voilà, c'est ça. La lutte, quoi. Ah oui, sport de contact, quoi. Sport de contact, voilà, c'est... Lui, il aime, il aime faire des gros câlins. Oui. Ah bah c'est bien, on sera deux comme ça. C'est ça. Et par contre, il mesure dans les 2 mètres. Hein. Facile. Ah oui, d'accord, donc on sera... On a deux armoires à glace, en fait. C'est ça. C'est... Moi, je vois bien Guillermo au milieu des deux. Qu'est-ce que t'as, petit... Faudra juste savoir à quelle université il a fait son sport, du coup. Ouais, c'est juste ça. Ensuite, ça, c'est... Enfin, on verra si t'as fait Caltech ou si t'as fait Stansted ou... Bon, de toute façon, on fera de ton BG et ta feuille de perso pour la semaine prochaine. Mais au moins, ça situe un peu le type de perso. C'est ça. Ah. Non, mais ça veut dire que j'ai pu le croiser si on a fait les études dans le même coin. C'est possible, comme c'est possible que non. Bon. Mm-hmm. Ouais, oui. C'est grand, un campus. Dans tous les cas, voilà pour le tour des persos. Je sais pas, Obi, tu voulais autre chose ? Non, c'est bon. Ok. Si t'as 3000$, ou même plus, prends, hein, mais voilà. Mais dernière petite chose. En tant que MJ, moi ce que j'attends des joueurs pour la campagne, en gros c'est l'implication dans la campagne, d'avoir envie de résoudre les énigmes, et de pas avoir des vigilantes. C'est-à-dire des mecs, je crois qu'il a volé quelque chose, vite on l'abat, paf! Donc inspecteur Harry, on oublie, hein. Ça va faire mal, quoi. La loi, c'est moi. C'est un très bon enquêteur, hein. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire « La loi, c'est moi » ? Et on peut faire l'inspecteur Harry Potter ou ça marche pas ? Non, encore moins. Parce que t'as pas de baguette. Oh, du quartier chinois, c'est vite réglé, hein. Dans tous les cas... j'attends majoritairement des joueurs de la campagne d'avoir plus des enquêteurs qu'autre chose. C'est vraiment des enquêteurs. Alors après, ils peuvent avoir un côté sec, rude, pas sympa, c'est pas grave. Mais il faut juste vous dire une chose, c'est que dans la campagne, les scénarios de la campagne s'articulent sur l'ensemble de la ville. Et sur plein d'aspects différents. Ça va de la politique, aux gangs, aux petits trafics. Ce qui veut dire que vous allez devoir être extrêmement polyvalent sur tous les sujets, en fait. Enfin, autant bien, aussi bien présenté dans les médias, que pouvoir faire, pour certains, une opération quasi undercover. Ce qui va demander, donc... soit des spécialisations pour certains, soit d'être assez polyvalent pour beaucoup. On va courser le violeur de petites filles. Et comme les enquêtes sont assez assez dures, je vous conseille énormément de prendre des notes. Particulièrement, comme c'est une campagne, ça veut dire qu'il y a un ou des plots, enfin des intrigues, des sous-intrigues, qui va lier certains scénarios entre eux. Donc, si par exemple, je sais pas quel scénario est lié auquel, pour l'instant j'ai pas assez lu, mais si par exemple dans les 3 premiers scénarios il y a un truc, des trucs qui vont revenir 15 scénarios plus tard, vous avez intérêt à avoir pris des notes sur les scénarios d'avant. Tu veux dire qu'il va falloir que je me contraigne à écrire des notes ? Toi tu te contrains pas à écrire des notes, hein. Mais c'est à ça que sert le forum qu'on a mis en ligne, enfin que Obi nous a prêté là. C'est clairement en fait à pouvoir en fait sur chaque enquête pouvoir mettre ses notes à la disposition des autres joueurs. Ce qui sert en fait d'archive, qui va nous servir d'archive personnelle de vos propres enquêtes.
Et chacun pourra mettre sa touche en disant, voilà, t'aurais dû parler de tel personnage qu'on a rencontré, il me paraît intéressant, important, etc. Mais clairement, ça demande ouais, une prise de notes et une mise en commun des prises de notes pour en tout cas la campagne en elle-même. Et c'est super important, parce que sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses et vous faire enfiler à sec avec du gravier et du papier de verre. Il y a du Tabasco. On a le droit du Tabasco. Aussi. Donc voilà. Donc comme je disais, les premières séances, de toute façon, on va pouvoir tester le système, voir aussi si pour tout le monde le groupe fonctionne bien, si ça vous attend tout le monde de continuer la campagne, etc. Questions, choses à dire. Bah, au vu des joueurs qui sont ici et que ben je connaissais la plupart, moi j'accroche. Hein. Tant mieux. Vous remarquez, hein, il a dit qu'il accroche grâce aux joueurs, pas grâce au MJ. Hein. C'est ça, je suis un connard. Non, mais de toute façon, je vais te dire, nous le MJ on le supporte, hein, je veux dire, t'es le seul con qui a accepté, alors du coup on prend quoi, mais. Mourir. Non, mais moi je suis content parce que vous avez remarqué, j'ai pas eu de déco aujourd'hui. Ouais, on a pas beaucoup joué non plus. Hein. Non, mais j'ai pas eu de déco. J'ai pas eu une seule déco ce soir. Ah bon? C'est bizarre. Oui, au début. Je suis parti, c'est parce que. Non, je suis parti. Tu veux Valérie Damido? J'avais fini de downloader et je voulais reprendre mon user pour correctement matcher avec le logiciel de Dobby. Ok. Bon. Ready pour commencer, même s'il reste plus énormément de temps. Il reste une petite heure. Voilà. On va juste faire une petite course poursuite vite fait, puis voilà. J'explique rapidement comment. Pour les séances, comment ça se passe sur la plupart des scénarios. Je me réserve, en tant qu'MJ, le droit de placer vos personnages sur les premières actions. À savoir, majoritairement, être en retard. C'est lundi matin, on est tous bourrés de la veille, on a la grosse gueule de bois, et du coup, on se retrouve avec un vin en moins et à l'extérieur de la ville. En gros, normalement, les introductions à la fois dans la campagne officielle et que je vais faire font que la mise en situation est en fait un pré-générique. C'est-à-dire que la mise en situation n'est pas du fait des joueurs, mais du fait du MJ. Vous êtes placé à un endroit, dans une situation donnée, et à vous de vous démerder avec. Ça doit pas dépasser normalement les 20-10 minutes de jeu, mais c'est pour vous mettre en situation. Et donc la première situation en question que je vais faire, malheureusement pour Sib et Wedge, vous serez pas présentes parce que c'est pour en fait conclure la partie que, enfin que comment s'appelle, Rick et Wedge, non, vous êtes pas là sur cette situation. Il y aura que donc Rike, Guillermo et Danny. Et elle est là pour conclure en fait un autre scénario qu'ils ont fait avec un autre MJ. Que tu peux peut-être résumer vite fait ou tu vas le faire, je sais pas si t'as prévu. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'était c'était une patrouille standard. Et je vais vous laisser, tiens, si quelqu'un un des trois veut raconter, moi je vous laisse, hein, parce que c'est quand même... Vous l'avez vécu derrière. Qu'est-ce que je veux dire? On fait quoi là? Parce que j'étais AFK. Alors, t'écoutes ce qu'on va te raconter en fait. Voilà. Là on fait l'introduction, et dans l'introduction, toi... Et Wedge, en fait, vous êtes pas là, parce que je conclue ce qui s'est passé à une autre séance, en fait. Et après, on reprendra tous ensemble. Voilà. Donc ça veut dire que on termine dans pas trop longtemps, parce que... Enfin, bref, il est... Bah, dans une heure. Ah bon. Bah quoi, moi je me lève bien à 4h tout à l'heure, donc... Si vous terminez dans 30 minutes, on termine dans 30 minutes, hein, moi, brave. Hein. Oui, on peut terminer d'ici 30 à 40 minutes, hein. Je dois t'avouer que moi je suis un peu HS aussi. Donc, dans tous les cas, qui veut expliquer ce qui s'était passé? Bah, c'est pas compliqué, on a fait une sortie avec un cop, enfin un gars du cops expérimenté qui nous a montré qu'il devait pour notre premier jour du métier. On s'est retrouvé à une intersection en bagnole et puis on s'est retrouvé face à un go fast avec des mecs qui se sont mis à tirer un peu partout. Donc, un go fast qui s'est planté.
juste à côté de l'accident où ils se sont plantés. Il y avait trois voitures et la troisième a percuté un camion. Enfin, s'est fait percuter par un camion. Oui, enfin, on s'en fout, c'est les détails. Enfin, toujours est-il que le machin, oui, mais je te le dis. Le machin a foiré. Ils ont vu une bagnole de flics, ils ont commencé à nous allumer. Donc, il a fallu répliquer. Et donc, ça s'est fini par un nombre assez conséquent de morts. Dont un des nouveaux coéquipiers, dit la machette. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Puis à son âme. Voilà. Notre nounou a été grièvement blessé, alors qu'il revenait de blessure, en fait. parmi les protagonistes survivants, il y en a une qui s'est particulièrement illustrée par son brio à l'arme. Chaque fois qu'elle tirait, elle te faisait un headshot et tuait un gars, quoi. Donc, depuis, les gens du COPS, enfin, mes coéquipiers qui étaient présents m'ont surnommé Headshot. D'accord. Sachant que j'ai tué 3 personnes avec 3 balles. Bon, c'était on des méchants, hein. On passera outre les petites missions pourries dans lesquelles on nous a envoyé ramener les chiens, promener des toutous, enfin, tout est... Mais ça s'est pas passé, ça. Dans tous les cas, là, ce qui se passe, c'est que le début, il pleut sur Los Angeles. Nous sommes fin mai. Et vous êtes à l'enterrement de la machette. Il serait pas resté longtemps, comme celui-là. C'est ça, il est resté une journée. Ouais. Mais c'était donc, est-ce que quelqu'un, on vous demande si vous voulez dire un mot, un de vous trois, quand même. Moi je connaissais pas. Mais non, c'est pas là. Équipier de souvenir. Ouais, je pense que je le ferai, mais enfin si personne le fait, je vais le faire, mais. Mais c'est toi qui t'es illustré, donc ça paraît normal que ça soit toi qui y aille. Bah, après c'est pas moi qui suis super doué en éloquence, hein. Hein bon. Dans tous les cas, tu y vas ou pas? Oui, bah, du coup oui. Vas-y, hein, tu dis quoi? Bah je dis. Alors c'est quoi son vrai nom en fait? Parce que je vais peut-être pas l'appeler Machete devant tout le monde. Le problème c'est que j'ai pas son vrai nom. Bon, Maurice était un grand ami, un coéquipier Maurice. Qui nous a suivis depuis nos premiers jours à l'académie. et c'est avec grand regret que nous encaissons cette terrible nouvelle. J'espère qu'il restera. Il restera dans le cœur du COPS et de tout le LAPD, aussi brillant qu'à son premier jour. Et après, je sais pas. On comprend. Que tous ses collègues, que tout le service est avec sa famille et ses amis, et que nous mettons tout en tout ce qui est en notre. Capacité, donc possibilité, pour arrêter définitivement l'organisation et les criminels qui ont causé cette terrible perte au service. Je crois qu'on les a déjà bien arrêtés. Oui. Oui. Ça veut dire que t'es stoppé net. Et derrière toi, t'as l'ancien sergent instructeur, parce qu'il était dans l'armée, hein, il faisait partie de l'armée à un moment, qui parle de lui comme un futur héros, malgré les quelques déviances qu'on lui a attribuées en Afrique. Tout ça, c'était des racontards. Ah ouais, c'est... Oui, c'est un bourrin. Oui, non, mais je me souviens, je me souviens de ce truc-là. Non mais en fait, moi ce que je vais faire, c'est que j'aurai ramené 3 bouteilles de tequila, une pour chacun de nous, et qu'on l'aura versé sur sa tombe, parce que je pense qu'il le mérite. Si ça va aux deux autres. J'ai du mal à comprendre la tradition, mais pourquoi pas. Ça doit être un truc autochtone. Dans tous les cas, vous rentrez donc au LAPD pour prendre votre fonction après ça. Je tiens juste à préciser quand même que... Vous êtes de nuit, service de nuit. L'histoire du Go Fast, c'était quand même notre premier jour au COPS, hein. Oui, c'était le soir du premier jour. Voilà. Ouais. Et les machins, toutes les interventions à la con, c'était au début du premier jour. Je peux vous faire une suggestion? Ouais, j'attends.
C'est sur les plaques, vous avez une petite bande noire, non? De toute façon, on est en uniforme, on est en uniforme de... En tu parles de mon logiciel, là, non? Brassard noir, hein. Oui. Brassard noir ou une petite bande noire sur la plaque, quoi. Ah, oui, quoi, vous attendez, quoi. Bon, dans tous les cas, vous rentrez prendre votre service. Maître Cube, qui est à l'entrée donc de l'étage du COPS, pour une fois, ne vous fait pas une remarque acerbe. Bah, on la ramène pas large. Ça arrive pas souvent. Ça tombe bien, il n'y a pas de serbe dans le groupe. Voilà. Et vous êtes attendu par Stripnik dans l'aquarium. Ben, on va aller dans l'aquarium. Donc, dans l'aquarium... Il y a Wedge et Rick de présent. Et Stripnik. Bon, asseyez-vous. Gracias. Bon, je comprends que bon, c'est dur pour vous, surtout après votre première journée. Mais bon, on va s'arrêter à là. Je vous ai mis pour l'instant sur des patrouilles et vous avez deux nouveaux coéquipiers. Je comprends qu'il était irremplaçable, tout ça. Malheureusement, les choses sont comme ça, et vous avez avec vous deux nouveaux coéquipiers. Donc, je vous présente Rick Darcy et Wedge. Alors, Wedge, comment? Parce que j'ai pas le nom. Non, Akili... déjà, le nom de famille, ça sera sûr, ça restera Akilian. Donc, Wedge Akilian, qui sont des détectives comme vous. Et, qui seront mis sur... qui sont vos coéquipiers. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous êtes en patrouille de nuit. Donc, vous êtes sur New Downtown. Donc, vous prenez votre voiture, vous faites le tour, vous patrouillez. Vous restez visible pour les gens qui se baladent et à la disposition du central et des anges pour les interventions d'urgence. C'était pas comme ça qu'on était la première fois. À demain. Et rapport s'il y a des interventions d'urgence. On a une nouvelle de Jenkins. Bah, il est à l'hôpital. Normalement, son état est stable et on peut lui rendre visite. Formidable. Et pas pendant la patrouille. Souviens-toi, il reprenait lui aussi. Il revenait de blessure. Il a repris un jour. Il est retrouvé à l'hôpital. Donc, pour les nouveaux. Ouais. Je vous mettrai la semaine prochaine de toute façon une photo de l'étage. Vous avez un bureau dans l'étage où vous êtes, donc du COPS. Vous avez un bureau central qui s'appelle l'aquarium, qui est fermé donc par des vitres. Tout autour, plein de bureaux en open space, dont un chacun. Une salle de briefing qui est à côté, une salle de repos, de bouffe. Une salle qui sert de casier, douche, lavabo. Et en commun, parce que il y a trois salles identiques, vous êtes dans la salle A. Et en commun, vous avez des cellules, un stand de tir, les modificateurs de tir, les lieux d'interrogatoire et autres. Voilà. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent au COPS. On n'a pas le droit de faire une séance de tir dans la salle d'interrogatoire. Faut mieux éviter. C'est mal vu. C'est assez mal vu, ouais. Généralement, ça vaut une intervention du SWAT. Hein. Dans tous les cas, vu l'heure tardive, il est 22h30. Il y a quelques détectives qui sont à leur bureau. La plupart sont soit en patrouille, soit en enquête. Donc il n'y a pas grand monde et c'est plutôt calme à cette heure-là. De toute façon, on va prendre nos voitures et on va y aller, non? Bah, je demande à Obi et Clo, et donc vous deux avec coéquipier, il y en a un qui est mort et l'autre qui est à l'hôpital, c'est ça? À peu près, c'est ça, oui. Los Santibos. Qui veut dire grosso modo désolé. Mais. Là aussi, je me suis utilisé. Bah, c'est pour ça que la règle numéro 1 au COPS, c'est pas s'attacher. Voilà. je nous suis baptisé les Overas Negras, à savoir les moutons noirs. Je veux savoir pourquoi. Alors qu'il n'y a pas de noir dans l'équipe. Justement. Il y en a eu, mais ils sont plus là. Ils sont tous, quoi.
Chaque personne est quand même importante dans une équipe. Guillermo, je vais être dans ta voiture pour la patrouille, comme d'habitude. Comme d'habitude. Claro que c'est, hein, et puis... Non, c'est habitude qui date de hier, mais... comment c'est hier, on était à 5 dans la même bagnole. On patrouille à combien de voitures? Deux. Alors, normalement, vous avez une voiture pour deux flics. Une seule? Là, pour le coup, bah, ça va être deux voitures. Donc, il y en a un qui va se mettre à l'arrière. Et donc, il pourra sortir que quand les gens lui ouvriront la portière. Parce que, bon, bah, tu mets les suspects, normalement, à l'arrière. Ouais. En fait, on n'a pas de voiture. Ça, ça peut se commuter. Non, c'est pas une sécurité enfant, pour le coup. C'est une sécurité adulte dangereux, tu vois. Ça peut se commuter, ça, de l'avant. Pour le coup, c'est pas marqué, donc je pars de ce principe-là. D'accord, ok. Bon, bah du coup... C'est parti, hein. Donc vous descendez au garage. Donc le garage, tout ça moins, niveau moins 4. Il y a niveau moins 4 et moins 5, c'est le garage du LAPD, ainsi que du COPS. Vous avez des voitures de patrouille marquées LAPD. Ce sont des Spitfire. C'est de la voiture quand même qui a bien de la patate, hein. Mais bon, ça vaut pas les voitures d'interception de la routière. Oui. Un jour, les gars. Ah, les intercepteurs, elles sont belles, hein. Et là, vous arrivez en bas. Vous êtes accueilli par la chef du service. Oui, c'est pourquoi. C'est elle qui est préposée aux clés, parce que vous n'avez pas votre clé de voiture pour l'instant. Surtout qu'on l'a pas que les deux dernières voitures, elles étaient un peu dans un sale état. Encore vous. C'est pour récupérer deux voitures, señoritas. Ok, Attends, tu vas pas l'expérience pour toute la partie, hein. Ah, claro, hein, que si. Si, c'est... il va essayer. C'est pas dit qu'il tienne, il va essayer. C'est nous qui allons devoir te dire. C'est le but. Alors, donc, techniquement, dans tous les cas, elle vous demande votre badge, quel numéro de badge pour qu'elle vérifie quelle voiture vous avez. Elle vous regarde. Ah, c'est vous. C'est vous qui m'avez ruiné deux bagnoles. Non, moi, je n'étais pas encore arrivé. Hein. Pareil pour moi. T'es avec eux, c'est tout. On en a ruiné qu'une seule. Oui. Techniquement, on en a ruiné qu'une seule. Ce sont les autres. Alors, techniquement, c'est pas nous, c'est les méchants qu'on a ruiné une. Hein. Voilà. Écoutez-moi bien, vous avez intérêt de me les rendre en bon état, ces deux-là. Hein. Sinon, la prochaine fois, je vous en donne une qui est pas réparée. C'est promis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, voilà, on veut pas essayer de faire un coup de charme quand même pour qu'elle soit plus sympa. Moi, c'était Tu peux, essayer de la convaincre que ça sera pas la prochaine, mais celle d'après. Moi, je lui dis merci, madame. Oui, voilà, dis merci, oui, moi aussi. Le mieux, ça sera de faire le coup de charme le jour où elle va essayer de te fouler une caisse pour Rave. C'est ce que je pense aussi, hein. C'est pour ça que je me dis que j'ai quand même mis à faire ça maintenant. C'est-à-dire que le jour où t'as besoin d'une caisse particulière. Si la caisse qu'elle nous file, on la ramène en entier, déjà, elle va nous oublier un peu. Hein. Non, puis, s'il arrive rien, si on passe un petit coup d'aspirateur dedans avant de la lui rendre, ouais, et puis qu'on met un petit sapin qui sent bon, ça devrait être bon. Et il est pas marqué, c'est pas parce que je suis hispanique qu'il est marqué femme de ménage sur mon front. Ok, donc deux voitures, la voiture 1, la voiture 2. Qui prend la voiture 1? La voiture 1. La voiture 1. Donc Wedge. Céline et Guillermo. Non, bah Wedge a dit qu'il prenait la voiture 1 là, en premier. Okay, bah donc il s'est mis au volant avant que t'aies pu comprendre ce qui se passait. Bon, je vais à côté, hein. Ok. Voiture 2, Guillermo et Lynn. Ouais. Et Rick. Rick, j'ai dit que j'allais à côté de... C'est Daniel qui a pas dit où il était. Oui, c'est Daniel, excuse-moi. Daniel. Non, mais moi j'attendais de voir comment vous allez monter. Je montrais à l'arrière de l'autre. Je dis rien pour l'instant. L'autre, c'est qui? Bah, je vais avec Rick et Wedge. C'est ok. Alors, la voiture 2, donc celle de Guillermo et Tlon, ça sent la pisse à l'arrière. A priori, le dernier suspect a dû se lâcher. Oh putain. En fait, c'est moi qui vais me surnommer le bouton noir. En fait. Ah. Bon, bah, T'aurais pas de quoi acheter un petit sapin des eaux d'horizon, par là. Alors, je dois avoir du parfum sur moi, non? Je veux un sac à main qui traîne.
Ah oui, oui, tu peux avoir du parfum, ça me gêne pas. C'est numéro 5 de Chanel. Bah, du coup, je dois avoir un truc qui sort un peu. Donc oui, gros, tu vis ton peu, parfum, voilà. Quoi. C'est en espérant. Ouais. Pour couvrir. Ah, c'est pour ça. Couvrir, quoi. Comme ça, maintenant, ça pue la pisse. De toute façon, les mauvaises odeurs, ça dure 5 minutes. Hein. Après, on s'habitue, donc... Combien t'as vomi? Combien t'as vomi? Dans ce cas, tu t'y habitues pas du tout. On va bon. Rouler les fenêtres ouvertes. Une petite question comme ça. Ouais. Je prends la radio et puis je fais bon, vous voulez aller dans quel secteur? En fait, on va demander aux anges où on va patrouiller parce que c'est elles qui vont nous dispatcher. Ah bah oui. Donc les anges, malheureusement, pour Rick. Ouais. Elle a pas, c'est pas son créneau horaire, donc c'est pas ta copine. Bah. Merde. Bon bah je me casse. Donc bah bienvenue. Alors elle vous donne les rues où patrouiller ce soir. Et on vous tiendra au courant s'il faut changer, s'il y a à changer. Pour l'instant, on vous demande de patrouiller. De toute façon, c'est dans New Downtown, donc c'est pas très très loin du quartier général. Et ça reste en ligne. Donc, partez patrouiller tranquillement. Bah oui. Oui. Vous avez donné le numéro d'identifiant, alors ? Oui. Alors, je les ai pas, là. On va pas s'embêter. Le prochain, j'aurai plus de détails sur ça. D'accord. Et pour l'instant, vous partez sur ça. Vous êtes en patrouille à New Downtown, pas très loin d'Hollywood. Vous êtes à la frontière entre New Downtown et Hollywood. Donc New Downtown, hein, juste pour décrire, c'est le quartier complètement rénové de Los Angeles, à l'exception de quelques petits quartiers style Little Korea, Little Tokyo et Little China qui sont dedans. New Downtown, c'est vraiment le quartier d'affaires. Des grandes tours. En termes d'image, il faut voir la défense, quoi. Hein. Ouais, donc c'est plus en plus moderne. Quoi. C'est là où il y a justement voilà. Les en 2030, bureaux, quoi. C'est là où il y a les bureaux de. Bah, c'est là où il y a le tout ce qu'ils appellent le Civic Center, qui est toute la partie avec la partie administrative de la ville. C'est bizarre, le gros c'est de la partie administrative exprès, est ici. Ils nous mettent dans un truc calme. Il va tester notre patience, tu vois, au bout d'une heure. Du coup, les deux véhicules... Non. De toute façon, je fais des ellipses temporelles, hein. Je vais pas vous laisser... Oh, il se passe rien. Ah, il se passe rien dans cette rue. Oh, il se passe rien. Les deux véhicules sont pas trop dans plus ou moins la même zone, on est séparés... Vous êtes pas, si, vous êtes pas... Vous vous suivez pas, mais vous êtes à quoi 3, à 5, entre 3 et 5 km de distance, quoi. D'accord. On compte en pâté de maison. Hein. Voilà, en bloc. Vous êtes allez, au maximum à 5 à 10 blocs de distance, on va dire. Bon, on s'achète des je comprends pas, c'est du pâté ou c'est du bloc de foie gras je... C'est aux États-Unis. Alors, on est plutôt dans le foie gras. Hein. C'est quand même New Downtown. Hein. Ouais, des donuts, c'est pas con. Lynn, tu nous prends des donuts ouais. Pour moi. Parce que t'as du fric. Donc, en même temps que vous faites votre patrouille, à la radio, il y a vous entendez aussi les collègues qui parlent. Il y a plusieurs fréquences. Vous avez la fréquence des gens, de toute façon, qui va venir devant toutes les autres s'il y a besoin. Mais à côté, vous avez les collègues qui parlent, qui parlent de leur vie de tous les jours, qui racontent une connerie. Parce que bon, vu l'heure, quand il n'y a pas grand chose, bon bah, on s'occupe. Y a quoi, quoi comme match ce soir en football américain? Pas de match ce soir pour le coup. J'ai pas envie de m'emmerder. Et du hockey, moi j'aime. Et puis c'est du football d'union hein, maintenant. Hein. Non, c'est du football tout court, on précise pas. Oui. Sinon, c'est du soccer. Bah, peut-être que la Californie a développé son propre football. Tu vois, on va je sais pas. Hein. Meubler à ta fréquence. Ah oui, non, mais de toute façon, je laisse meubler un peu, c'est le but. Hein. Mais techniquement, vu qu'on est au mois de mai, la saison elle est terminée quand même. Ah, qu'est-ce qu'on se fait chier quand il n'y a plus la saison, en fait, la saison en mai, voiture 1, je vous mets pour l'instant 1, je vous mettrai les autres numéros quand on aura un autre. Voiture ouais. 1, on a 10-56 à un bloc de chez vous, si vous pouvez vous en occuper. 10-56 drogué ou empoisonné. On y va tout de suite. Ok, je sors le fusil à pompe. Non, bon, on y va. Drogué ou empoisonné. C'est à 10-4. Bien reçu, 10-4. Voilà.
6-4. Donc vous y allez, c'est toute sirène dehors, sans sirène. La circulation est fluide hein, pour le coup. On y va avec les lumières, pas forcément les lumières allumées. Au moins. Donc sur place, en fait, il y a un petit attroupement de 5-6 personnes qui entourent une personne qui est en train de s'accoupler avec un pot d'échappement. Ok. On descend de la voiture, hein, au monde d'Obat. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs les procédures. Tu vois le fast plane quand on arrive? Hein? C'est oh putain. Bah pour le coup là, improvise okay. Par rapport à ce que tu connais des séries de policiers américains. Hein. Bah, je sors de la voiture, j'ouvre la porte à. Putain, merci. Hey, moi je descends même pas, je garde le moteur au chaud, y'a pas de problème. Hein. Alors, je rappelle que vous avez une casquette où vous pouvez mettre une caméra en fait qui retransmet directement les images au central, ce qui permet de pouvoir faire des interpellations filmées et surtout qu'on peut pas contester. Oui, bah, de toute façon, on branche la caméra. On branche la caméra, et ça va faire le tour du service. Bon, je laisse, hein. Qu'est-ce que vous faites? Personne a l'air. Ouais. Je vais approcher. Oui, bah oui, alors, il y a déjà beaucoup de monde autour? Je t'ai dit, une petite dizaine de personnes qui regardent. La plupart sont en train de le prendre en photo avec ce qu'ils ont sous la main ou le filmer. Bah, je m'approche, et puis si les gens ne me laissent pas passer, police. Oui, bah, ils s'écartent, hein. Oui. Il y en a quelques-uns qui sentent l'alcool, dans ceux qui te sont autour. Guillermo, celui-là, il va dans la voiture 1, hein. Non, ah, bon sang, vous êtes tranquille, hein. Oui. Monsieur, justement. On va récupérer des donuts. Je m'approche, la personne n'a pas l'air de t'écouter. Elle continue à faire son affaire avec la bagnole, là, actuellement. D'accord. Donc c'est un mec, hein? Ouais, c'est un mec. D'accord, ok. Monsieur? Monsieur? Ah, tiens, prends ça. Monsieur, est-ce que cette voiture est consentante? Il y a un bruit qui sonne, mais c'est parce que j'ai tapé la tête contre le... Monsieur, je vous prierai de vous y aller voler cette voiture. Cette voiture n'est pas consentante. Elle est mineure. Écoute pas, on s'aime, nous. Bon, je fais un petit signe à Rick. Bah oui, bah on va essayer d'écarter les gens. Oui, voilà. Oui, bon, les gens, quand vous êtes arrivés, se sont écartés d'eux-mêmes. Hein, et vous avez la place d'intervenir. Bon, bah on intervient, hein, on le sépare de la voiture. Monsieur, est-ce que vous voudriez nous suivre, s'il vous plaît? Et il te regarde, t'as l'impression que son regard est complètement brumeux. C'est pas sûr s'il te regarde ou s'il regarde derrière toi, tu sais pas. Avez-vous bu ce soir? On aurait peut-être l'arrêter d'abord, non? Ah non. Avez-vous bu ce soir? Petit peu. D'accord, bon. Ça vous dérangerait de faire un petit test pour nous? Je suis occupé là, vous voyez pas? Non mais. Il faut arrêter monsieur là maintenant. Dany, c'est bon, faut l'arrêter s'il y a des enfants qui passent. Sinon, va falloir qu'on vous arrête monsieur. Là, il se lève tout droit. Arrêtez, moi! Jamais! Et il commence à essayer de s'enfuir en titubant. D'accord, ok. Bon, bah, c'est assez minable. Hein. Je vais essayer de l'intercepter avant qu'il se jette sous une bagnole. Voilà, on l'intercepte. Alors, je présume qu'il doit pas courir très vite avec le pantalon baissé. Ah non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, c'est minable. Il essaye, mais ça veut pas dire qu'il réussit. Hein. Je veux pas vous faire jeter de dés. Hein. Il y a re un coup de klaxon. Je vais surtout éviter qu'il se casse la gueule par terre parce que j'ai pas envie qu'il se blesse pendant mon intervention. Ok, tu l'attrapes, quoi. Voilà. Par principe, allez, quand même, on va faire un petit jet. Ouais, fais juste un jet en réflexe pour l'attraper avant qu'il se pète la gueule. Donc c'est sous 6 et une difficulté de 1. Alors, 2d10. E. Et. E.
Non, c'est pas E, c'est C. Faire un copier-coller, hein, ça ira plus vite. Ouais, mais j'ai pas encore. C'est égal, supérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, supérieur, égal. Supérieur, égal. 6. Voilà. Tac. Eh ben non. Il s'éclate au sol. Bon. Les gars, j'appelle. T'as ta radio donc ils t'entendent hein, si tu leur parles. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Non, bah, on va le relever, on va voir dans quel état il est, c'est bon, moi je le relève, puis je lui dis. Il a la bouche en sang là. Il a la bouche en sang, il s'est explosé la gueule. Ah bah monsieur, c'est ce qui arrive quand on court avec le pantalon sur les chevilles. Hein. Alors. Bon, les gens autour sont. Rigolent hein. Ouais, c'est par contre, vous êtes filmé par tous les gens qui sont autour. Hein. Oui, bah ça tombe bien, j'ai une caméra aussi. Votre appui d'ambulance, non, si jamais la gueule en sang. Ah bah non, mais là, on a pas de. Bah y'a pas de violence, hein, je veux dire, il est tombé tout seul. Hein. Non, c'était pour le fait qu'il saignait, je pense, seulement. Hein. Bon, bah messieurs, on va devoir. On va devoir vous mettre en état d'arrestation. Non, il a pas l'air de comprendre ce que tu lui dis. Hein. C'est ça, bon. Alors mais donc, je lui glisse droit quand même. Ok. Il y a du monde. On va le ramener la voiture après avoir remonté le pantalon. Non. Ça y est, j'ai trouvé. Une ambulance, ouais. On demande une ambulance, les gars. Oui, mais de toute façon, faut quand même le relever et le. Oui, mettez-le près de la voiture et puis voilà. On va mettre son pantalon sur lui quand même. Centrale, ici, voiture 1. Je demande un 10-52, s'il vous plaît. À l'angle de machin et machin, sur l'intervention. Une demande d'information sur quoi, exactement? Non, un 10-52, c'est une demande d'ambulance. Une demande d'ambulance. Oui, vous pouvez. On vous envoie une ambulance, est-ce que vous pouvez spécifier ce qui se passe exactement? Voilà, personne ivre qui s'est blessée. Ok, comme ça je précise qu'ils ont pas envoyé des défibrillateurs et autres, quoi. Surtout des bassines, restez je pense. Sur place et attendez l'ambulance. Tenez-nous au courant. Y'a pas de problème. Pendant ce temps, voiture 2. Oh putain. C'est avis qu'on le cherche pas dans la bagnole, en tout cas. Tu veux pas avoir du sang, de la pisse, du vomi? C'est ça. Je comprends pas pourquoi. Et puis on tient la chasteté de notre voiture, nous. Hein. Alors par contre, je vais quand même aussi relever les plaques de la bagnole et voir si jamais y a pas de dégâts. Hein. La voiture portera pas plainte. Ah, il y aura peut-être un bébé voiture après. Ah, par contre... Une hybride, non, ça marche. Par contre, je suis un 10-28 sur le véhicule qu'il était en train de... Alors, demande d'information complète sur le véhicule, bah on te donne, pour le coup, vu que t'es pas en... Y a pas de grosse raison, on te donne juste le nom du propriétaire et son adresse. A priori, il habite dans l'immeuble à côté. D'accord. C'est pas une bagnole volée, quoi. Oui, non, c'est... Non. Elle a été violée. Ça, c'est... Mais t'en sais rien, c'est peut-être le propriétaire de la voiture, hein. Alors, tout le monde, la plupart des gens ont une puce d'identification. Et on a le lecteur de ça? Ah bon, bah, c'est un casier. Oh, comme le bétail, quoi. Un peu ça. Tout le monde l'a pas, ça sert aussi de moyen de paiement et tout, mais... On peut l'identifier, donc, le type? Ouais. Bah, on l'identifie, hein. Bah, vous l'identifiez, A priori, il habite pareil à New Johnstown, à un bloc d'ici, quoi. Il a pas de casier, ni qu'on peut pas se passer. Ah, c'est pas un clodo, quelques, quoi, peut-être c'est... quelques amendes impayées à tout péter, mais rien, pas, voilà. Rien qui sort de l'ordinaire, quoi. Enfin, on peut lui taper sur les doigts pour ça, c'est tout. Enfin... Non. Oh, bah, de toute façon, il va finir en dégrisement après l'hôpital, hein. C'est ça. Bon. Il ira peut-être pas à l'hôpital, hein. Il va peut-être juste soigner dans le camion et puis te ramener après au commissariat. Hein. Jusqu'à casser la gueule, oui. Voiture 2. Voiture 2, j'écoute. On a besoin de vous sur un 1083 à deux pâtés de maison chez vous, d'ici. Il vous donne une adresse et leur nom de société. 1083, okay. C'est quoi? Inspection d'une porte. 104, c'est l'inspection d'une porte. Bah, réponds au 104 et puis on y va tout de suite. C'est parti.
Alors, quand on parle d'inspection d'une porte, c'est vérifier qu'il n'y a pas eu de cambriolage, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Qu'elle n'est pas fracturée, que... Ou qu'elle n'est pas ouverte, même. Juste dire que si elle est ouverte, si elle est fermée, si elle est fracturée, voilà. Non, il faut garder la marque. Ouais. Bon. Vous arrivez devant le bâtiment. Pendant ce temps, sur la voiture 1, l'ambulance arrive et prend en charge. Merci. On va remplir le rapport, hein, tout de suite. Hein. De toute façon, la procédure, bah, c'est que le gars, il va être... S'ils ont juste besoin de le faire sur place, bah, vous allez l'embarquer. Mais là, pour le coup, ils veulent faire quelques points de suture, donc ils vont l'amener à l'hôpital en urgence. Et soit c'est vous qui vous appelez pour le reprendre plus tard, soit quelqu'un d'autre le reprendra plus tard. Peut-être une évaluation psychologique. Non, mais je demande une prise de sang pour vérifier tout ce qui est drogue, alcool, etc. Non, mais de toute façon, ça sera en cellule de dégrisement, de toute façon. C'est ça. Non, mais théoriquement, on doit suivre l'ambulance pour les accompagner, entre guillemets, et récupérer le colis, en fait. Ça me va. Ouais, ou bien vous continuez la patrouille, on continue la patrouille. C'est pour le coup, il faut demander au central si ce que vous faites. Central. Central, est-ce que vous avez besoin... Ici voiture 1, est-ce que vous avez besoin d'autres... Suivez l'ambulance pour l'instant et on vous tient au courant s'il y a quelque chose de plus urgent. D'accord. Ok. Voiture 2. Alors, la porte, vous arrivez devant... A priori, ça a l'air d'être... comment ça s'appelle ? Des bâtiments administratifs. C'est dans une société privée. C'est une grande baie vitrée. Et le nom de la société est fait aussi d'une glace, sauf que la glace est en morceaux au sol. Plein phare. De la porte. Je fais son plein phare pour éclairer un maximum la scène. Bah, le hall a l'air vide en tout cas. Bon, tu peux leur annoncer une diffraction. Alors, j'ai pas entendu. La porte de la vitre est cassée, c'est ça? Et c'est la vitre en fait qui est faite en glace en fait est complètement explosée au sol en fait, il y a plus de porte. D'accord, donc la porte était c'était une baie vitrée quoi. OK. Oui. Mm-hmm. Bah du coup, on annonce effectivement un cambriolage en cours, je pense une effraction et puis Ouais, une effraction. Je pense qu'on va laisser plein phare, on va fermer les portes de la voiture et puis on va aller voir ce qui se passe. OK, est-ce que vous avez besoin de renfort, on vous demande. Pas pour l'instant, mais restez à l'écoute. OK. Est-ce qu'il vous demande est-ce qu'il y a des véhicules suspects, qu'est-ce que vous voyez en fait, un maximum d'informations on vous demande. Est-ce que dans le bâtiment, alors déjà c'est quoi comme société en fait, est-ce qu'on peut le voir ça? Alors pour le coup vous la connaissez pas. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas un symbole à la con qui peut nous dire si c'est... Si, il y a un nom. Cyberdine. Parce que j'ai envie de placer un truc, elle s'appelle Abstergo. Et du coup, est-ce qu'il y a de la lumière ou du son qui émane de Alors, de là où vous êtes, à part de la lumière qu'il y avait dans le hall, mais faible, du plafonnier, il y a rien. Ça a l'air désert, en fait, le hall. D'accord. Bah du coup, je prends lampe de poche et les gaines, et je vais rentrer dans le bâtiment. Okay. Je reste dans la voiture pour appeler au cas où et on garde liaison radio. Ou tu veux non, tu viens avec moi. Liaison radio avec les anges, même à pied. Ah non. Okay. Ah oui, non, tu viens avec moi. Voilà, je vais pas tout seul dans le bâtiment. c'est quoi ce travail de flic de merde? On ne lâche pas le coéquipier. Hein. Bon, allez, je te suis. Je te couvre. Pendant ce temps, les anges annoncent à la radio toutes les voitures en stand-by. On a un cambriolage signalé. Ils donnent l'adresse. Un potentiel cambriolage signalé, peut-être demande de renfort possible. On demande à toutes les voitures de rester en stand-by, à côté. On se rapproche. Mais nous, vous êtes censé continuer à suivre. Nous, on est en mission, nous. Hein. Tu parles, il y a un mec bourré, hein, faut quand même surveiller. On est pas en patrouille, là pour l'instant, on est en intervention. Hein. Si jamais on nous demande d'abandonner tout ce qui est pas urgent. Du coup, si je m'approche de la baie vitrée, je regarde s'il n'y a pas un caillou ou un truc comme ça qui expliquerait pourquoi elle a été cassée. Alors, tu t'approches de la baie, du tas, en question. Ouais. Tu vois en fait que la glace en fait est étalée vers l'intérieur de la du truc.
bâtiment. C'est-à-dire, t'as clairement, ça, t'as un point d'impact et tout va vers l'intérieur. Oui, il n'y a pas d'alarme. Non. Est-ce qu'il y a des traces de pas dans le tas de vitres, de verre cassé? Fais-moi un jet de perception avec je sais pas vraiment une soirée scène de crime de toute façon. Ah, t'as scène de crime ou bien t'as stand flic? T'as les deux. Ouais, un stand flic ou scène de crime. Scène de crime c'est mieux. Hein, scène de crime c'est beaucoup mieux. Okay. Un succès. Ok. Clairement, il y a des gens qui sont pas, tu vois qu'en fait la glace a été éparpillée. Tu vois qu'il y a des gens qui ont pu passer dans le sens où elle a été écartée par endroits. Tu peux dire qu'il y a des traces de pas, ouais. Clairement. D'accord. Clon, tu me fais la même, hein, vu que t'es avec lui. Hein. Ok. Avec elle. Elle, excuse-moi. Donc ouais. Guillermo. Alors, tu nous avais dit. Perception, instant flic ou scène de ce que tu préfères. Je recherche mon instant flic. On va faire instant flic plutôt. Il reste dans la voiture, je crois. C'est malin ça. Donc a priori c'est un succès. Bon bah pareil que Obi en fait hein, pour le coup. Ok, moi je voulais juste vérifier s'il y avait de l'électricité surtout. Bah comme je dis, t'as le plafonnier du hall qui a lu. Ils ont pas de système d'alarme ces gens. L'entreprise a l'air d'être fonctionnelle, je veux dire c'est un oui, bureau, en journée voilà. Il doit avoir des gens, il y a des plantes, il y a des plantes vertes, elles ont pas l'air d'être mortes. Ouais donc, c'est pas un squat quoi. L'air fonctionnel. C'est pas un vieux truc abandonné quoi. Ok bah ouais. On va rentrer. Ok. Ouais. On fait gaffe quand même. Hein. Du coup, position de flic avec la lampe de poche vers l'avant, évidemment. Okay. Vous dépassez le comptoir. Derrière le comptoir, ce que vous remarquez surtout, c'est la personne allongée dans une gerbe dans une grosse flaque de sang. Ah, on appelle le renfort. Suite au prochain épisode, vu qu'on vous disait 23h30. Ça tourne au 10h31 là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pas plutôt 10-13, rapport météo et circulation. Ok, pour ma suite. Donc voilà. L'épisode. Da, da, da. Okay. Ce climax d'enfer en fin. Bon voilà pour cette première séance. J'espère que ça vous a plu, malgré la partie indigeste du système. il est très lourd hein, le système. Donc, la situation actuellement, c'est que là on est en train d'escorter le. Une ambulance qui est un dangereux criminel. Ouais, oh bah oui. Très, oh bah oui. Très dangereux. Bah oui, là oui. Attends, c'est quand même un crime sexuel, hein. Merde, c'est pas rien. Alors que les autres, ils auront joué la mort. Moi, je sais pas, mais moi j'ai trouvé que c'était un 480. Hein. Bon, il se trouve que c'est juste sur lui qui s'est fait violence, mais. C'est violence et délit. Ça me fait. Ou il s'est brûlé le gland, ou il s'est. Ah non, c'est un 481, verge, pardon. Mais... Un délit de fuite, suite à un délit mineur. Attends, là, eux, ils sont rassurés tranquillement, les mecs de la morgue, alors que le type, il est tranquille, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi un 505? C'est une conduite dangereuse, non? Voilà. Bah, c'est infraction de voiture, non, déjà? Non, c'est un 586. Stationnement interdit ou suspect. C'est vachement suspect comme ça. Mais ça me fait penser à une certaine Erika Labrie qui est une championne de tir à l'arc et qui a épousé la Tour Eiffel. Voilà. T'as un gars aux États-Unis, il a offert un poney à sa fille et il est tombé follement amoureux de son poney, il a divorcé de sa femme, quitté sa famille, il a épousé le poney. Bah, c'est aussi une américaine. Hein. Il y a quand même des États aux États-Unis où tu peux épouser un poney. Bah, il y a des états aux États-Unis où tu peux épouser des objets. Elle est objectosexuelle. Et au fait, vous n'avez pas vérifié s'il était réellement mort ? On sait pas, ça c'est... Ah, pour l'instant, non, ils ont juste trouvé un gars qui est inerte dans une flaque de sang. Se trouve, il est vivant. Pour longtemps.
Ok, bah écoutez les gens, c'était bien. Bon bah voilà, j'espère que ça a plu. Bah ouais. Ouais. Et donc la suite, bah lundi prochain. 20h-20h30 pour le début. Il y aura pas d'explication de règles lundi prochain. Bah, il n'y en aura pas en fait, en dehors des besoins qui peuvent se présenter. Par contre, faut compter plus sur moi vers 20h30, hein, parce que 20h c'est vraiment chaud. Mm-hmm. Oui, non mais on le sait. Je sais que Wedge m'a dit la même chose 20h30 la semaine prochaine aussi. Je crois. Oui. Ouais, enfin, disons que si on dit 20h, ceux qui sont là, ils peuvent déjà discuter, ça fait toujours ça de moins qu'ils avaient pris. Quoi. Voilà, c'est... Bah, de toute façon, c'était 20h, mais t'es arrivé à 20h30. Hein, bon, de toute façon, pour l'instant, t'es en pleine escorte. Non, ah non, t'es en plein doute. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort? Bah, moi, je vais faire déjà, des premiers secours. Voilà. Bon. Mais bon. Ça va pas l'aider beaucoup, hein. Je vais lui faire du bouche à bouche. Ça fait des bulles. Non, tu peux faire des garrots, tu peux faire des... Mais pas au coup. Moi je dis, il faudra dire un code B, plus prévu, ou plus en cours. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette petite intro vous plaît. Oh, oui. Bah, c'est surtout et la voiture. Vous êtes prêts pour la suite. Attends, tu peux réellement faire ça, un code 20, prévenir les médias? Ah oui. Alors... Oui, bah alors le code 20 c'est surtout, alors prévenir les médias, oui, mais enfin tu sais, dans le numéro d'unité, t'as un qui s'appelle 80. Et 80 c'est la relation de presse. Ah bah voilà, c'est ça, et faites un code 7, pose des GD1. Oui, tout de suite là maintenant. Bon moment. Qu'un détective du code. Bon, on a trouvé un truc là, mais bon, on part en pause déjeuner là. Qu'un détective du COPS demande qu'on appelle les médias, je vais dire ça sera assez mal vu. Hein. C'est ce que je disais. Ah, c'est vrai, okay, je suis au COPS. À chaque fois, je me trompe, je crois que je suis au FBI. Ça va mal finir cette histoire. Complètement. Ouais, alors tu dis ça, ça y est, tu finis dans les mains du SAD. Hein. Si t'as de la chance. Oui, parce que à mon avis, tu risques plutôt de finir avec un sac sur la tête et au beau milieu du désert et. Et un serpent dans le sac aussi. Hein. Avec des gars du SAD autour. Oh, même des mecs du COPS, hein. Bon, allez, les gens, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, je pense que je vais faire pareil, parce que... À lundi voilà. Prochain. Bah, à la semaine prochaine. Si, je sais pas si on te voit la semaine prochaine, parce que tu m'as dit que t'étais pas dispo. Normalement. Ok. Ah, ok, donc je vais couper l'enregistrement. Au revoir.